Welcome to the stage of history. On est bien vendredi, hein. Attends, on est bien vendredi. Ouais, c'est bon. Bonsoir. Ça va? Tranquille? Ça va. Moi, ça, personne m'a demandé, mais moi, ça va. Hein? Personne s'inquiète de moi. Ah, on dit toujours c'est quand les streams, mais pas c'est comment les streams. ça passe moins bien en français, hein. Ouais, je suis d'accord. Comment ça va tout le monde? Donc ouais, ce soir, Fright Friday, avec du Resident Evil HD Remaster, je suis terrifié de ce jeu depuis la dernière fois. Vraiment, vraiment, la dernière fois que j'ai joué, il y a deux semaines là, ça m'a terrorisé de Resident Evil 1. Je pousse quand même pour le faire. Je me suis dit, est-ce que ce soir on fait du Resident Evil 2? Est-ce qu'on fait du Resident Evil 1? Je me suis dit, on va pas se laisser abattre par un jeu vidéo sorti en 1955 comme Resident Evil 1. Et du coup, on va quand même essayer de le finir. Ce serait con franchement de se laisser abattre. Donc ouais, ce soir, Resident Evil 1. Et ensuite, pour un peu faire passer la pilule, quelque chose d'autre. Ouais, non, je vous dirai pas. Mais de toute façon, vous savez déjà. Vous savez déjà ce qui arrive après Resident Evil, parce que vous êtes malin. Non, pas malotru, malin. Pour la plupart, en tout cas. Ah, ouais, je suis vraiment, en fait... j'ai hésité pendant un moment à prendre un guide. Un guide pour Resident Evil, quoi. Pour Resident Evil HD Remaster, parce que c'est vraiment... Je trouve vraiment compliqué, quoi. Là, en plus, j'ai fait Resident Evil 2, donc depuis le dernier stream, là. J'ai fait Resident Evil 2, le run de Léon A, en boucle. Donc, je suis un peu encore dans le délire TPS, dans le délire machin, limite speedrun et tout. Et là, c'est vrai que de me retrouver en terrain inconnu, si tu veux, c'est derrière les lignes ennemies, quoi. Je suis... qui c'est qui jouait dans... Derrière les lignes ennemies, merde. Comment il s'appelle, celui qui fait... Waouh. Comment il s'appelle? Merde. À l'aide. Madness, tu sais ça. Waouh. Owen Wilson. Personne n'a dit non. J'ai vu avant Zilot. J'ai dit avant Zilot. Donc, voilà, ton message vient d'apparaître. Quelques secondes. Mais je l'ai dit avant Zilot, voilà. Owen Wilson. Donc bref, Resident Evil HD, on va se lancer tout de suite. Hein, parce que bon, c'est vendredi. On va pas... Calme-toi, Killer Instinct. Calme-toi. Voilà. Chut. En plus, j'ai déjà lancé l'enregistrement, donc sur YouTube, les gens ils vont m'entendre parler comme un petit vieux, finalement. Il y a un truc que je supporte pas de Resident Evil HD Remaster, c'est que t'as une démo du jeu qui tourne quand le jeu t'a pas fait start, tu vois ce que je veux dire. Et le jeu m'a spoilé, je pense, trois boss qu'on n'a pas encore vu, des trucs qui sont forcément un petit peu ouf, tu vois, à voir. Et sans vergogne, hein, le jeu il te balance ça en mode démo, tiens regarde, voilà ça, voilà ci, voilà ça, bah les couilles. Et du coup je me suis spoilé intégralement de la moitié du jeu, mais c'est pas grave. J'hésitais entre beat et pute et ça donnait pite. C'est marrant, ça désamorce tout, hein. On se dit que associer beat et pute, ça ferait un truc un peu violent, tu vois, mais pite, c'est vrai que c'est mignon, ouais. Il y a même un acteur qui a son nom de famille, donc je sais pas, ça va pas avec le reste. Attends, je vais juste faire start vite fait, qu'on passe ça, voilà. Appuie sur une touche, normalement, c'est bon. Brad Pitt, voilà, c'est ça Arcana, c'était la blague. Comme certaines intros d'animés qui te spoilent les trois quarts de la saison. Mais oui, mais en fait, en général, sur les animés ou les choses comme ça, ça te spoil des choses, mais quand tu les vois sans contexte, ça a pas d'importance. Tu vois, c'est dans n'importe quel animé, forcément, ils t'envoient des moments qui éclatent, tu vois, mais quand t'as pas le contexte, t'as aucune idée de ce que ça veut dire. Mais là, il y a pas besoin de contexte. Là, c'est vraiment genre la gueule des mobs. C'était un truc de ouf, quoi. Ce que j'ai vu, c'est un truc de ouf. Je veux pas dire ce que j'ai vu parce que bon, ce serait con. Alors, après, je pense que tout le monde connaît. Mais Alain, je suis en train de parler du fait que Resident Evil a un mode démo qui tourne quand t'as pas fait start au menu principal du jeu. Et du coup, qui m'a spoilé des boss du jeu. Ouais, j'ai vu des trucs de ouf. Et ça me terrifie, en fait, encore plus d'y aller maintenant que la dernière fois quand j'y connaissais encore rien. Et bon, écoute, c'est pas grave. Allez, hop, tac. On va foutre le son du jeu. Blip, blap, on passe à l'attaque. Voilà. Chut. Ok. Alors, on joue toujours Gilles. Gilles Ballantines, comme on dit. Je me souviens même plus ce qu'on vous dit. Si, attends, il y avait une histoire avec un piano la dernière fois. Du coup, tu sais que ça va venir, mais tu sais pas quand. L'angoisse. Vous ne mourrez peut-être pas de peur. Ah. Ok.
Non, c'est pas du spoiler, c'est juste pour dire toi mon grand, tu vas en chier. Ouais, mais c'est du spoiler, moi je me suis dit, bon, on va pas en chier. Mais du coup, il m'a spoilé sur le fait que j'allais en chier. Bon, du coup, on avait sauvé un mec avec un sérum, je crois. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On est où déjà? Oui, ok, d'accord. Il faut retourner dans une salle avec un piano, non? Il y avait pas un truc avec un piano? Il me semble qu'on avait un truc... Si, voilà, ça, là. Sonate clair de lune. Voilà, et ça, faut l'amener à un piano. Mais il était où, ce putain de piano? Oh là là là. À l'aide. J'espère que quelqu'un a amené un guide ou un truc comme ça, parce que c'est la merde, là. Considère la vidéo comme la vaseline pour le pire. Ah, mais ouais, mais... On est au-delà de ça, pote. On est au-delà de la vaseline, là. C'est comme avertir que tu vas violer, quoi. Ok, t'inquiète, on va se marrer cette nuit, mais bon. Je sens que je suis fatigué quand au lieu de dire machine à écrire, j'ai lu machine à café. Ah oui, bah écoute, mange un truc. Je vais déposer... Est-ce que je crois que j'ai encore un ruban encore sur moi? Ça me sert à rien, je vais déposer ça. Je vais garder les deux clés, clé de l'armure et clé du manoir. Pourquoi encore du manoir? C'est pas grave, on s'en fout. On a pas mal de balles. Ce qui est pas trop mal. Couteau de survie, on s'en bat la race. Ouais. Ce qui est marrant, d'ailleurs, dans le premier, les outils qui te servent à niquer les zombies, donc voilà, l'arsenal tactique, ne prend pas de place dans ton inventaire, contrairement à Resident Evil 2 Remake. Voilà, je vais faire des rappels de Resident Evil 2 Remake en boucle, je crois, vraiment. Je suis en manque de gras, je me dessèche, je fais de l'hypolipémie. Ok, let's go, dans la bouche du lion, du tigre, du loup, je sais plus comment on dit. Je suis stressé, putain, je suis nerveux de jouer à un jeu vidéo, quoi. Donc lui était mort, j'entends des bruits de zombies, littéralement dans tous les sens. Alors, il était où la salle du piano? Où était la salle du piano? Il me semble que c'est la salle rouge qui est à droite là, si je me gourre pas, non? Ça nous fait passer à travers ça, nanana, tac tac, c'est peut-être ça. On va tenter. Ok, on va retourner à l'intérieur. Franchement, tu vois... Ça aurait été plus simple si je vous streamais Resident Evil 2, quoi. J'aurais été beaucoup moins stressé de vous streamer. Tant ta gueule. Ça a pété, là, non? Je crois que ça a pété. Ok. J'aurais été beaucoup moins stressé de vous streamer Resident Evil 2 Remake. Étant donné que je commence, un peu contre mon gré, à le connaître par cœur... Putain, c'est pas là. Ok, faut sortir, là. Très bien. Tac, et je crois qu'on avait buté le Crimson Head, qui était dans la salle devant. Dans la bouche du lion, et tu vas pas aimer la sentir glisser, celle-là. Mais tu sais, Arsène, d'ailleurs, que les lionnes, c'est pas elles les reines, hein. Et que souvent, le soleil les assomme. Et c'est dommage que je connais pas la suite de la chanson, ça aurait fait une super blague. Mais il a pété, j'ai entendu faire prout. Ah non. Non, Madness, sinon je me serais levé, je l'aurais mis devant le micro. Est-ce que c'est pas trop fort, le son du jeu, là? J'ai l'impression que ça gueule un peu, non? On verra ça plus tard. On verra ça later, comme on dit, dans les pays, genre Nouvelle-Zélande. Normalement, si... Oula, t'as entendu ma voix qui a fait... Normalement... Ah non, attends, c'est pas la salle avec les genres de statues, là? Oh, mec, je suis paumé. Oh. Il aurait pas fallu que je laisse 2 semaines passer, quoi. Ça, c'était une décision vraiment de con de faire Resident Evil 1 maintenant, en fait. Là, c'est pas la salle avec les putains d'armure. Ça me terrifie ce que je vais voir. Ah! Nani? Ok, c'est pas là. Le piano, il est pas dans l'aile ouest. Sérieux? Tu dis pas ça pour déconner? Où est-ce qu'il peut être? Machine à écrire coffre? Oh putain, je crois que je le vois. Je crois que c'est la... Oui, c'est la... Ah, c'est juste au-dessus, en fait. Ok, attends, je me casse. Je crois que je sais où c'est. Ça va être la run de rattrapage. Absolument pas, Gametalik. Vraiment pas du tout, quoi. Vraiment, ça va être la run, je pense, d'enterrement, d'ailleurs. Tu sais quoi? Ça va être les obsèques de ma carrière de streamer. Ma carrière de streamer, un truc qui veut rien dire, quoi. De ma carrière de mec qui marche dehors avec des pieds. On va descendre, et je crois que normalement c'est au rez-de-chaussée. Il me semble, à ce que j'ai vu, que c'est au rez-de-chaussée. Je dis juste l'aile ouest parce que dans la map Resident Evil de Left 4 Dead, c'était sur la gauche. Il y a une map Resident Evil de Left 4 Dead de Resident Evil? Je crois qu'en fait elle est juste au-dessus du dining hall, là. Attends, on va voir. On va aller voir, et je crois... Oui, c'est ça, et il y a un putain de Crimson Head, je crois, qui est dans le couloir, en plus. Ah. Une map pas officielle. Ah, il y a des mods, hein, le mec, il mode des trucs et tout.
C'est quoi ce bruit? C'est moi qui cours. Je suis en full panique. Je baissais un peu le son, je suis vraiment en panique. Toi aussi, tu marches par terre avec tes pieds. Mais pour l'instant, ouais, j'attends vite l'année du futur 2020 qu'on puisse tous voler dans des bagnoles. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que je marche avec les pieds, ouais. Et je le déplore. C'est vrai que les pieds, c'est pas forcément super funky, mais je suis pas fétichiste des pieds. Je comprends vraiment pas le fétichisme des pieds. Vraiment, il y a quelque chose qui me dérange dans le fétichisme des pieds. Et Tarantino étant un de mes réalisateurs favoris, je sais, c'est pas super... c'est pas super original, mais bon, écoute, j'y peux rien. Ça m'attriste assez de voir des panards à chaque fois qu'il fait quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Bienvenue dans le club d'avoir des pieds. Merde. Et normalement, je pense qu'il faut utiliser ça. Non, Jill a fait du piano. On va tous crever. Cette chanson. Et très bien. Oh, piano. C'est sympa. Elle était bien, ma petite chanson, non? 47, il fait de la batterie. Attends, 47 fait de la batterie. Max Payne fait aussi du piano. Nul, mais il fait aussi du piano, mine de rien. La musique pour les obsèques de Ruru. Ça te fait rire de me voir crever en direct, Gametalik? Hein? Salope, va. Je te déteste. Y'a quoi ici? Y'avait pas un truc à pousser, genre, de façon équatoriale? Là, regarde, y'a pas un truc derrière, là? Ou alors, est-ce que j'avais déjà poussé? C'est quoi, ça? Bassistos. Chris Redfield fait de la guitare, il y a moyen de faire un groupe avec Jill et 47. Mais qu'est-ce qu'il foutrait là, le pauvre 47? Il a jamais vu... T'imagines, 47 a jamais vu de zombies? Eh mec, ce serait vraiment pas mal comme map pour un prochain jeu... Pour une prochaine extension Hitman. De faire des putains de zombies, t'imagines? 47 avec des zombies? Rien que pour la scène et savoir ce qu'il va dire, ça m'intéresse, tu vois. Je comprends pas, en fait, l'agencement de la pièce. J'arrive pas à la comprendre. Je rentre pas dans le couloir parce que je comprends pas, et jusqu'à ce que je comprenne pas, je rentre pas. Ça vient pas du tout du fait que je me chie dessus, c'est pas ça. Ok, go. Ah. C'est moi? Waouh. Tu es belle, Gilles. Gilles Balanta... Nani? C'est quoi? Emblème doré, ok, comme Julien. Ah, ça c'était une connerie ça. Faut le remettre, Gilles. Faut le remettre. Ça va l'attirer. J'ai pas confiance dans ce que l'avenir me réserve. Les gars, j'ai peur de l'avenir. C'est quoi? Journal de Trevor. 11 jours se sont déculés depuis mon arrivée au manoir. Que m'est-il arrivé? Un type vêtu d'une blouse blanche m'a apporté un maigre repas. Ah, c'est le docteur Boskonovitch, ça. M'a apporté un maigre repas en me disant « Désolé de vous faire subir tout cela, mais c'est pour des raisons de sécurité. » Non, c'est quoi? C'est pour... Pour raison de sécurité. Non, c'est ça, ouais, ok. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Tout est clair maintenant. Redfield. Nous ne sommes que deux à connaître le secret de ce manoir. Sir Spencer et moi-même. S'il me tue, Sir Spencer sera le seul à connaître le secret. Mais pourquoi? Cela n'a plus d'importance maintenant. Cet endroit est trop dangereux. Ma famille, j'espère qu'elle va bien. J'ai décidé de m'enfuir. Jessica, Lisa, j'espère que de tout mon cœur que vous êtes en sécurité. Le 16 novembre 1967, c'est très long. Comment ai-je pu me montrer? J'avais pas envie de lire Tolstoy, Guerre et Paix, mais écoute, on va se lancer, hein. Oh putain, c'était Casimir avec André et le Globi Bulga. Comment ai-je pu me montrer aussi bête? J'ai perdu mon briquet préféré, celui que Jessica m'avait offert pour mon anniversaire. Maintenant, je vais avoir encore plus de mal à sortir de cet endroit maudit. Le 13 novembre, le jour où tout s'est joué pour moi, ma tante avait été hospitalisée. On s'en bat les couilles! Jessica et Lisa m'ont dit qu'elles allaient lui rendre visite, j'aimerais tant être avec elles. Attendez, à mesure que j'écris, la mémoire me revient plus précisément. Juste avant de m'évanouir, je me rappelle avoir entendu les hommes en blouse blanche dire quelque chose comme « Votre famille est probablement déjà... » Je prie pour qu'elle soit déjà saine et sauve. Ouais, c'est ça. Votre famille est déjà probablement en très bonne santé. J'ai par miracle réussi à sortir de cette pièce, mais ça ne va pas être facile de m'enfuir du manoir. Je vais devoir échapper à tous leurs pièges. L'œil du tigre, l'emblème doré. Je dois me rappeler pour ne pas périr. L'œil du tigre et l'emblème doré. C'est quel Rocky celui-là? Je me souviens pas. Ça se casse ça? Absolument pas. Ok. Eh bah écoute, c'est super. Votre famille, Omaewa Moshindeile. Eh ben écoute, on va prendre... Ah putain, faut l'emblème du vent. Faut l'emblème du vent, je pense, non? Pour le remplacer ici et prendre l'emblème doré avec moi. Oh là 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 là. Oh là là, Russian, il commence à comprendre des choses. C'est mauvais. Attends, maintenant, parce qu'il n'y a pas de coffre. Il est où le coffre le plus proche? Faut que je monte par là, escalier, tac tac. Représente.
Tac, c'est super long en fait de remonter. Attends, comment je peux remonter rapidement là? Ouais, bah écoute, on verra bien. Emblème du vent, soleil levant, par-delà les collines. Il est bien ton rap, Game Talik, mais j'ai préféré la fin quand même, quand ça s'est arrêté. Ok, allez. Russell utilise son cerveau, run, run. C'est pas quand j'utilise mon cerveau qu'il faut que tu cours, BFG. C'est bien avant. Quand tu dis que t'as besoin de l'emblème du vent, on dirait un protagoniste de JRPG. Oh non! Oh non, il me faut l'emblème du vent! Hop, la plap, et il faut fuir! C'est quoi ce... Ah non, putain, c'est les corbeaux! À chaque fois, je me fais niquer! Je crois que c'est des monstres, mais c'est juste des corbacs! Est-ce que je peux bien passer par là pour aller à mon coffre? Non? Bah non. Merde, non, c'est en dessous. Mais je suis abruti ou quoi? Non, si, si! Si, si! Si, si! Si, si! Si, si! Si, si, je suis devenu fou, ouais! Si, si! Des corbeaux, mais les corbeaux de Dark Souls. Mais t'entends le bruit qu'ils font là? À chaque fois, j'ai l'impression que c'est des liqueurs! Ok. Let's go! Ok, hey, salut! Très bonne journée, moi aussi. Super, ça va, tranquille? Pas de problème, et tu cours super vite! Eh, hey, t'as fait la courbe du monde! Waouh! Faites que ce soit celle-là, c'est pas celle-là. Faites que ce soit celle-là! Wouah, je me suis fait péter la gueule! Faudrait que je le bute un jour quand même. Faudrait que je le bute un jour, cet enculé. Pourquoi j'ai pas fait le tour? Pourquoi j'ai pas fait le tour? Voilà, parce que j'arrive là en plus. Ça sert à quoi de me prendre des pains pour rien? Pourquoi j'ai pas fait le tour? Putain, Russian! Mais quel con! Oh là là! Oh, ça me fait paniquer en plus, ces Crimson Hells là. Oh, attends. Chut. Ah! Ah, yes! Ah, that's good! Ah, god! Ok. Toi, te relèves jamais. Merci. Impec. Comment on charge déjà? Pas comme ça. Comment on charge? Ok. Merde. J'ai réveillé quelqu'un. Désolé! Pardon! Non, mais il est tôt encore, vous pouvez retourner dormir. Donc, il me faut l'emblème du vent. Il me faut l'emblème du vent! Sinon, Kakashi-kun ne pourra jamais sortir de sa prison des esprits. J'ai jamais vu d'animé. Je pense qu'il me faut l'emblème du vent. Espèce de truc en bois de merde, là. Non, pas du tout. C'est pas du tout le même truc. Et non, en fait, ce qu'il me faut, elle est dans la salle principale, tout en bas. Yes. Tu sais que là, à ce moment-là, là, et ça fait 18 minutes que je joue, je pourrais juste recharger et j'aurais fait aucune avancée, en fait. Oh, putain. Oui, ok. On y retourne. Et on fait tourner les serviettes. Toi, un jour, je vais te faire mater les épisodes de Naruto. Non. Je crois pas. Non. Le peu que j'ai entendu et vu de Naruto, en fait, ça m'a absolument suffi. Et le reste ne m'intéresse pas du tout. Et les seuls moments où ils disent « Mais non, mais c'est trop bien Naruto, putain, mais c'est un vrai shonen, comme disent des les Nihonjin comme moi, que tu peux pas comprendre, t'es un gaijin, mais c'est un vrai shonen, quoi, putain, c'est bien mieux que n'importe quoi d'autre. Et il y a plein d'actions, c'est super philosophique, quoi. » Devenir fan de Naruto comme Edar est fan de Fairy Tail. Mais Yadar, il a fait des choix dans sa vie que je ne supporte pas. Et grand bien lui en fasse. J'ai envie de dire. Ok, donc on retourne ici, dans la salle principale. Normalement, il doit y avoir encore un emblème au mur, un emblème d'aigle à moitié, là. Et je pense que je vais pouvoir remplacer ça dans la salle avec le putain de piano. Normalement. Si ma mémoire ne me faillit pas. Et on accepte Yadar malgré tout. Ah bah oui, bien sûr. C'est pas parce qu'il y a des goûts de merde qu'on accepterait pas, sinon... on aura une liste très très courte d'abonnés. Yadar, fan de Fairy Tail ou des nanas dans Fairy Tail, pas le même. Non mais voilà, mais c'est sûr. C'est comme par exemple, je sais de sources sûres qu'il n'y a aucun fan de Queen's Blade. Tu vois ce que je veux dire? Personne n'aime Queen's Blade. Les gens aiment bien les gonzesses dans Queen's Blade. Comme Risty d'ailleurs, qui est la seule qui vaut le coup. Mais personne n'aime Queen's Blade. Et peu importe ce que dira Allen d'ailleurs. Oh putain, Queen's Blade, voilà. Le problème, il est là. Ok, alors inventaire... Tac. Ah mais je suis d'accord. Non mais voilà, ça fait du bien de parler entre philosophes. Voilà. Chevalier Las Palais qui joue dans live action Naruto. Nani. Alors, où est-ce qu'il faut que je le foute, ce truc-là? Et le premier qui dit dans mon cul, il a gagné un an d'abonnement. Pas du tout.
Waouh, super. Les bords extérieurs sont tout abîmés car il a souvent été retiré et replacé. Ça se trouve, il faut que je le foute dans la salle principale. On va essayer dans ton cul. Ok, bah Nacro, tu es viré. Dans le cul. Ah, BFG qui... Il y a quelque chose d'inscrit dans le coin du tableau en mémoire de l'achèvement de la construction du manoir. Mais j'en bats les couilles, je vais juste sortir. Ok, merci. Bon, année de sub maintenant. Non, non, j'ai pas dit une année d'abonnement à la Megaforce. Je te parlais d'une année d'abonnement à tes frais. Au magazine, tu sais, qui offre des bouts de maquettes et trucs comme ça, tu sais. Genre là, j'ai vu à la télé récemment, il y avait un magazine qui offre des bouts de maquettes d'un camping-car. Et je trouve que c'est génial. Donc voilà, je vais t'offrir ça. À tes frais, bien sûr, BFG. Hein. Alors, tac. Est-ce que ça fait quelque chose? Oh! Oh! J'ai fait quelque chose! J'ai fait quelque chose. Je connaissais pas Queen's Blade, je viens de regarder, merci les mecs, je sais quoi faire de ma soirée. Bah attends, je stream, attends la nuit au moins, Roddy Bayou, merde. Ok, lorsque les deux se transperceront, le chemin de votre destinée s'ouvrira. Franchement déjà, le prends pas comme ça quoi. On dirait que vous pouvez actionner les engrenages de l'horloge. Essayez, ouais. Quel engrenage? Je sais pas, le petit. Ok, j'en sais rien moi. Si j'actionne le petit, ça va faire clac, 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 et ça va tourner l'horloge du mauvais côté. Non, ça va tourner du bon côté. Donc je vais la tourner en droite, à droite. Voilà, tac. Non. Merde. Attends, il y a un truc là. Parce qu'il faut que je crois que... Genre la petite aiguille, faut qu'elle aille dans l'armure et l'autre dans la tête. C'est pas ça le délire. Attends, faut... Non, tandis que la longue épée la transperce la tête. Ok, donc il faut que la grande aiguille soit dans la tête. Dans la tête, ouais. Et la petite dans l'armure, c'est ça le délire. Hein. Ouais, puis avec la voix de Russian en fond, ça va pas le faire. Bah, si tu veux, je peux faire une voix d'animé tout le temps, mais ça va vite faire chier. Hein. Ok, alors. Le petit. On va l'actionner vers la gauche. Tac. Et le grand, on va l'actionner vers la droite. Hop. Voilà. Et encore une fois. Le grand, j'ai dit. Vers la Derwent. Tac. Est-ce que ça a marché? Non? C'est bon? Oh! Oh le con, j'ai réussi à faire des trucs! C'était super long, d'accord? Oh, oh, oh! Oh! Nani? Oh! Clé du manoir! Mais laquelle? C'est ce qu'on se demande, c'est pas la bonne touche pour l'inventaire. Attends, examinez. C'est la clé... Waouh! La clé de l'armure! Enfin, la clé du bouclier! T'as gagné mon abonnement. Le pifomètre, c'est le sens du gamer. Non, mais mec, ne sous-estime jamais mon intelligence, d'accord? J'ai quand même eu un bac S, avec mention, c'est pas de sa faute. Donc, j'estime que j'ai assez souffert. Est-ce que il faut que je garde les autres clés, par contre, parce qu'elles me cassent les couilles? Donc, normalement, je vais pouvoir visiter un tas d'autres trucs, et la perspective me glace les os. J'aime pas la liberté en fait dans quelque chose. Ne jamais sous-estimer l'intuition féminine de Russian. Et le jeu d'après, vous en assurera de ça. Vous en assurera. Back S avec mention aime jouer avec les aiguilles de ses copains surtout. Ok. Et normalement ça, c'est verrouillé, l'emblème d'un casque. Ok, c'est la seule putain de clé que j'ai pas. Sa grosse mère, la salope. Qu'est-ce qu'il y a comme autre porte que je peux pas encore ouvrir et que je peux ouvrir maintenant? Voyons voir dans le couloir là-bas. Voyons voir dans le couloir, qui est d'ailleurs la prochaine chanson de Jane Birkin. Elle est morte, Jane Birkin? Je crois pas. Est-ce qu'elle est toujours aussi maigre? Est-ce que maintenant elle est en 2D? Dun, 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 dun. Ah, ça c'est le moment où je commence à chanter pour me rassurer, ça. ouais, ok. Normalement, je vais pouvoir ouvrir la porte qui est devant moi. Normalement, en toute logique. Ah non, je sais ce que ça ouvre. Je crois que ça ouvre la pièce avec les deux armures qui essayent de te péter la gueule. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Ok, donc c'est pas celle-là non plus. Ma vie, c'est vraiment de la merde en fait quand tu regardes ça de loin. Elle est où la pièce avec les deux armures là? C'est au-dessus, c'est après. Ouais, ok, non, c'est bon. J'ai. Mais ouais, mais le problème, c'est que je suis obligé de chanter pour me rassurer un peu.
Quand Ruru chante ou débite trop de conneries, c'est que le jumpscare est pas loin. Je suis obligé de me rassurer parce que vous le faites pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'essaie pas de vous mettre ça sur le dos, même si c'est 100% de notre faute. Mais j'en ai besoin. C'est tout, j'en ai besoin. Alors il va y avoir un putain de... attends, parce que je suis comment niveau vie là? Je sais même pas, putain mec, je sais même pas. Aïe. Je suis en attention, c'est la merde, on va utiliser ça, on va garder ça. Ouh. Go. Me rattrape pas ça l'enculé de fils de pute. Chouin. Il va mort. Il est mort, je sais pas. On regardera plus tard. Oh. Heureusement que je dégaine vite, hein. Ok. Resident Evil 2 Remake, il est mieux. Vous voulez pas qu'on switch sur Resident Evil 2 Remake, les gars? Franchement, viteuf, là. Franchement, je le fais, personne verra. Et il est mieux, franchement. Non? Ok, donc ça, normalement, ça va s'ouvrir. Mais putain, mais ça se... Mais elle ouvre quoi, cette connasse de clé de merde? Putain, j'ai commencé à péter un plomb. Je suis parti où? J'ai réussi à faire un tour complet dans 5 mètres carrés, quand même. Ok. Oh là 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 là. On reste pour ton adorable stress. Adorable, c'est ça l'épithète que tu veux lui accorder à mon stress? C'est le soc dans le couloir. Non. Hein? Non, c'est bien ça. Hey, espèce de sale riche, casse-toi tout. Ça m'a fait peur! N'aie pas peur, Ru, tonton BFG est là, viens sur mes genoux. Calme-toi quand même, BFG. Merci beaucoup, mec. Merci beaucoup. Où est le cadavre du Crimson Head? Où est le cadavre du Crimson Head? J'aime pas du tout ce que ça implique. Je pense que ça gênerait personne que tu switches sur Aero2R vu que tu vas flipper tout le temps. Tu sais que j'ai fait 4 runs de Léon, que je connais le enemy placement de Léon absolument par cœur, que j'ai fini RE2R en 2h56, et que du coup je flippe beaucoup moins maintenant. Ah, je flippais au début, mais il m'a fallu du courage pour me mettre je dirais pas speedrun, mais... Putain, celle-là aussi elle est verrouillée de l'autre côté. Attends, je vais essayer celle-là, là. Non, attends, laquelle je vais essayer? Si, ouais, attends, faut que j'essaye là-bas. Je sais pas quand on continuera RE2R. En fait, j'aimerais bien le faire avec Adwim et Spider. Et j'aimerais bien les faire jouer eux, parce que du coup, moi, comme je connais le jeu au niveau Léon un peu par cœur, et que finalement, j'ai appris que les runs entre Léon et Claire étaient pas vraiment très différents. D'un casque, non mais c'est pas possible. Non mais la putain de Taras, chie-moi dans le cul, quoi. Où est-ce qu'est-ce qu'il y a où, cette connerie de merde, là? C'est pas possible. Pas possible! Qu'est-ce qu'elle ouvre? Mais à l'aide! Mais arrêtez de rigoler! À l'aide, quoi! Bon, attends, on va faire le tour. On va essayer de voir de l'autre côté ce que ça peut ouvrir. Oh putain. Il y a d'autres portes rouges qu'on n'a pas encore essayé. Chie-moi dans le cul. Non, mais voilà, je suis obligé de rester poli, quoi. Ah, peut-être la porte de l'autre côté. Suis ton cœur, Russian. Toi particulièrement, mon gars. Toi, hein. Je vais te faire un implant de mon pain dans ton cul. Je te promets, tu seras ma marionnette, poteau. Hein. Non, à l'aide, pas à l'aide. Je suis pas encore tout à fait enrhumé. Ouais. Est-ce que ça ouvre ça? Voilà. Nique ta mère. Non, je crois que c'est la... D'accord, c'est la pièce où j'étais juste tout de suite. Il va être bien, ce stream. Il va être vraiment bien, ce stream. Ça va être cool. Il y a personne qui est là pour m'aider, par hasard. Ça fait 8 ans que j'ai pas touché au jeu, je sais même plus où aller. Peut-être de l'autre côté si on passe par là-bas, on va voir. Suis tes pieds. Ça, d'accord. Ça, voilà. En voilà en moins un putain de conseil qui vaut le coup. Suis là où vont tes pieds. Ça y est, il est perdu. Je suis pas perdu. Je suis temporairement à la recherche du trajet le plus approprié à mon escape, Arsène. Tu vas voir dans le stream d'après quand je me donnerai ton nom à un mec avec une tête de merde, Arsène. Tu vas pas te la ramener, là. Hein. Parce que oui, maintenant, écoute, je suis assez stressé pour le dire. Le jeu d'après, ce sera les Sims 4. J'ai retrouvé le mode qui fait les gens moches. Et donc, du coup, après, on va lancer une partie de Sims 4. On va refaire une famille de merde. On va essayer de les faire crever le plus vite possible. Et voilà, ça va être cool. Ça va être la mime parade, j'ai envie d'appeler ça la mime parade. Oh le con, j'aurais dû foutre des chansons custom, c'est pas grave, on fera ça plus tard.
Alors, ici, ok, je crois qu'il y a des herbes vertes là-dedans. Bah non, je les ai déjà prises, ok. Créer les tuches. Momo, t'es viré. Bombardier B22, le retour. Ah, je sais pas, peut-être qu'elle est là, peut-être qu'elle est pas là. Du coup, t'as regardé les promos d'anniv des Sims 4, Ruru? Non. Le promo d'anniv des Sims 4, il y a des promos. Je savais même pas, j'ai tout piraté. J'ai littéralement tout... Mais putain, mais c'est encore un casque. Mais elle ouvre quoi? Attends, c'est pas possible. J'ai essayé 90% des portes dans cette putain de manoir à la con, là. Ah, mais étiquetez tes portes, gros cul. Putain, Spencer, mon gars. Je vais t'apprendre le yoga, poteau. C'est possible de faire des consanguins dans les Sims. Alors non, mais il y a des modes pour, je crois. Il y a des modes qui permettent... Parce qu'en fait, à partir du moment où tu fous des relations de famille entre les Sims, t'as des options qui sont du coup plus activées. Et je crois que t'as des modes pour l'enlever, ça. Donc ouais, il y a moyen. C'est dégueulasse, hein, mais il y a moyen. Ok, par là-bas. Je suis désolé, je regarde la map en permanence parce que je sais pas où... Tu vois, je pensais qu'il y avait une porte là. Ah, c'est celle-là, ok. Il faut ensuite que je descende l'escalier, enfin que je passe la porte, je descende l'escalier, il y a une autre porte rouge, ok. Après, franchement, j'aurais testé toutes les portes rouges, hein, donc... Ruru vient-il de dire en live qu'il pratique le vol? Piratage, c'est pas du vol, poteau. Ha! Échec et Bart. Alors, ces modes-là, on va peut-être éviter. Non, mais oui. Ah, j'ai pas dit que je les installais. Je répondais juste à une question, poteau. Voilà, je suis pas un déviant sexuel. C'est quoi ici là? Qu'est-ce que c'est pas ta quake? C'est une safe room là? Non. Ah non, c'est pas la pièce où on s'était fait niquer par un zombie qui était beaucoup trop vénère? Oui! Oui! Et il a changé, c'est un Crimson Head! Oh! Oh! Oh le flip! Oh le flip de l'entendre courir, poteau! Oh le flip de l'entendre courir, mec! Oh putain! Le petit tip-tap, tip-tap. Tu sais que c'est la merde. Vous n'avez plus besoin de cette clé. La jeter, oui. Donc la clé bouclier ne sert qu'à une seule porte. D'accord, je sais pas pourquoi, mais en fait, ce grenier me pousse à utiliser directement mon lance-grenade pour une raison que j'ignore. Ah. C'était un soupir de calme. C'est quoi... J'entends des bruits. J'entends des flics-flacs. Ah non, putain, mec. J'entends des flic-flac, mais je crois que c'est juste le sang qui passe dans mon oreille parce que sur OBS, il y a pas de flic-flac. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais où est-ce que je suis, là? Putain, on se croirait chez ma grand-mère. Oh. Ouais, mais j'ai pas de fusil à pompe, fallait me les filer avant, espèce de trou du cul. J'ai pas save. J'ai pas de truc de vie. Tu sais quoi? Attends. Attends. Il y a un truc... Tiens, il y a un truc qui me semble qu'il faut qu'on fasse avant... Vite fait, qui me semble assez nécessaire. Machine à écrire coffre, c'est dans 7000 km, mais ça va être nécessaire. Ouais. Il faut que je prenne mon fusil de chasse, il faut que je prenne de la vie, il faut que je prenne plein de trucs là, et que je save avant quand même. Salut ? C'est qui ? Ah, c'est lui. Putain, j'ai vu un visage, j'ai commencé à flipper. Ok, salut Redson, ça va poteau ? Redson qui d'ailleurs est en train de faire un dessin génialissime et Redson qui va pouvoir d'ailleurs faire de l'étude de cas ce soir après le stream pour son dessin d'ailleurs, ça va être très intéressant. Côté artistique, ça va être super intéressant. Ouh, respire Russian, c'est qu'un jeu vidéo, putain, c'est qu'un jeu vidéo. Les gens ils sont pas là pour juger, les gens ils sont là pour rigoler. Tout le monde a droit à son erreur, hein. On a pardonné à Bertrand Cantat, pourquoi on pardonnerait pas à toi? Ha! Et oui, échec et mat. Je le termine d'ailleurs là. Ah, nice. Je suis content, ça, Redson. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a encore des trucs qui avaient posé Barry par terre là? Non. Ok. Est-ce que j'ai encore des trucs pour me healer? Des herbants, briquets. Alors, ça, grenade incendiaire pour me healer, c'est bon. Fusil. Ah, trousse de premier secours, c'est bon ça. On va virer, tu sais quoi, on va virer des clés qu'on n'a pas besoin pour l'instant et on va prendre la trousse de premier secours. S'il y a une porte à ouvrir dans le grenier, je vous tue tous et ensuite je me tue. D'accord? J'espère que c'est clair ça pour tout le monde. Hein. Je vous bute tous mais vraiment sans sourciller. C'est rigolo comme sourciller. Il est chargé avec quoi le truc? Combiné? Ah ok, ok. Ok, bah écoute... On va partir là-dessus et je vais juste save viteuf.
Et ensuite, on va se faire enculer, hein. Hein? Fais comme ça? Le joyau bleu, il va toujours nulle part. Le désherbant, bah écoute, je suis pas encore trop porté sur... sur le truc. Est-ce qu'il faut prendre le briquet? Est-ce qu'il va y avoir un puzzle avec un briquet? Je ne sais pas. Mais comme le mec qui parlait de briquet juste avant dans le truc du piano, je me dis, enfin à côté du piano, je me dis, ce serait peut-être pas con de l'emmener. Je viens de le retirer une deuxième fois. C'est dingue, hein. Je ne sais vraiment pas comment marche. C'est putain d'inventaire. Ok, voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Pouvoir save. Je suis désolé, je suis vraiment encore habitué à RE2R, donc je suis encore en stress. Je suis pas stressé, Arsène, je suis appréhensif. Je tiens à ce qu'on fasse la distinction. Je m'en fous, si je fais une attaque ce soir, ce sera entièrement de votre faute, ce sera pas ma faute. Hein. Bon, bah les couilles, moi. Bah les couilles, frère. Allez, la bonne nouvelle. Le briquet, il me semble que c'est juste pour brûler les zombies pour pas qu'ils deviennent des Crimson Head. Ah. Ouais, mais ça, je pense que tu racontes des conneries. Pas besoin de rouleau encreur sur cette version. Si, je viens juste d'utiliser un rouleau encreur, Zilot. Zilot, il va falloir que tu suives parce que sinon, on va pas s'en sortir, hein. Bordel de merde. Je suis pas stressé. Je suis pas stressé, tu sais quoi, on respire, allez, on est là, tac tac, je suis un streamer, j'ai un fauteuil DxRacer, alors tout le monde aujourd'hui, je suis sponsorisé par Instant Gaming, G2A ou Kinguin, je sais quoi. Caféine. Donc, on retourne là-bas, je me suis gouré de sens, non? Non? Si. Non? Non, je me suis gouré de sens ou pas? Non, c'est bon. Sponsor Kinguin, ah bah oui, que les meilleurs. Non, merci, là. Ok, let's go. Oh, on sait qu'il est stressé. Non, mais en fait, je crois que c'est parce que je viens aussi d'attaquer 3 calettes de Red Bull. Donc, Kinguin, non, King, ça c'est les Kinder Pinguin, le roi du Bayou. Kinguin, c'est des clés de jeu vendues et volées. Ah là-bas, c'est un site qui vole des clés, qui les achète en bundle et qui les revend au prix fort. C'est vachement malin comme truc. Donc t'es pas stressé, t'es surstimulé. Et ouais, c'est ça. Voilà, là, c'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant. Je suis pas stressé, je suis surstimulé. Mais t'es sûr, t'es en train de te chier dessus. Je suis surstimulé, je te dis. Ah, j'espère qu'il va pas y avoir de serpent géant. Voilà. Ah, oh, sa mère. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi direct. Je m'attendais un peu à... Oh. Hein? Ah, j'ai un... Aïe aïe! Même pas mal! Nick tag. Aïe, il m'a tiré dessus ce con! Là 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 là! Ha ha! Merde! Attends, mais j'arrive pas à viser! Nigga dead! Même sous la pression, il prévaut. C'est Russian, avec un grand cul. Shield! Non! Mais il est mort ou il est pas mort? Ah! Ah là! Richard! Richard, c'est le Ricard! Encore un petit coup? Tends ta gueule! T'en veux une autre? T'en veux une autre? J'en ai plein des comme ça, regarde! Tac! Fais la collection, fils de pute! J'en ai encore plein des comme ça, mais je suis un fou, moi! Ha ha! Un boss! Un boss des plus épiques! Qu'est-ce qu'il est con! Mais qu'est-ce qu'il est con, ce truc! Ok, de toute façon, je m'en fous, j'ai encore plein de munitions, poteau. Hein. On va utiliser ça. Impossible d'utiliser ça maintenant. Comment ça, c'est pas possible? Bien sûr que si, c'est possible. Rien d'inhabituel. Mais non. Bien sûr que si, c'est possible. Là, tu vas sortir le... Voilà. Un spray premier secours. Ok. Oui, non, mais je sais ce que c'est. Merci. Mais maintenant, tu vas l'utiliser. Voilà. Ensuite, on va combiner ça et ça. C'est bon, on l'a équipé. Allez, let's go. Et on fait tourner les serviettes. Comme des petites girouettes. J'ai mis un lance-grenade dans le cul. Pourquoi je suis encore blessé, là? Ah, putain, je suis empoisonné! Tends ta gueule. Oh, merde. Oh, c'est la merde. Oh, fais la poule. Fais la poule, poteau. Ok. C'est quoi, ça, derrière? Qu'est-ce que c'est, ça? Hein? Nani? Ah, pourquoi il s'est barré, ce con? Bah, reviens! Et pourquoi il s'est tiré? Bah, il est con ou il est con?
Il n'y a pas un truc anti-poison, un truc qui pourrait me soigner, ou un truc qui finit le jeu. Il y a les tonneaux de vin, bah voilà, picole, comme les Normands dans Astérix et Obélix, mais contre les Normands. Il y a que dalle. Il s'est caché derrière. Mais non, mais il a un peu traversé le mur. En fait, je pense que sur PS1, ça rend super. Fais gaffe, c'est un masque de pierre. Examinez. Qu'est-ce que c'est? Il lui manque le nez. C'est un masque à foutre en bas, là. Un masque mortuaire sans nez. Ok, et bah écoute, c'est super. Par contre, je suis toujours empoisonné. C'est le serpent géant du lac de Long. Par contre, j'espère que oui, j'espère qu'il va pas nous faire une Mister X et qu'il va pas réapparaître de temps en temps pour nous casser les couilles, parce que déjà, il y a pas la place dans les trucs. Est-ce que j'ai fini de visiter cette pièce? Oui, j'ai fini, donc on peut se barrer. Alors par contre, je me suis fait empoisonner le cul, mais j'ai un nouveau shotgun. Sono sino sadame. Joe! Tout. Oui, il faut du sérum, je sais où c'est. C'est bon, je sais où c'est le sérum. Tout le monde chie de la flotte. Ouais, mais je sais. Je sais où c'est. Pas besoin de me prendre la main, je sais où c'est. C'est gentil de me dire, mais je sais où c'est quand même. Allez, let's go, avant de crever. Ça va, t'as des vertiges, mais t'as l'équipement pour reconquérir la Crimée. C'est ça. Voilà, je suis plutôt tranquille. Par contre, déjà que... Ah. C'était qui, ce con? Ayon, toc toc. Alors, attends, je vais équiper le nouveau fusil de chasse qui a l'air vraiment pas mal. Qu'est-ce que c'est? Fusil d'assaut? Non, non. Tire des cartouches de calibre 12. Cette arme utilisée par les Stars est aussi la préférée de Richard. Ouais, c'est bon, on n'aura plus besoin, le poteau. Hein. C'est pas un fusil d'assaut, par contre, va falloir revoir vos... Ah, mais c'était Richard, ça, du coup, non? Je peux utiliser le briquet? Briquetto. Non, 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 non. Je pense qu'on peut utiliser le briquet que quand on utilise aussi la gourde. Mais du coup, je ne fais pas ça, et je pense qu'on n'a pas besoin de revenir ici après. Donc, ce qui compte, c'est l'optimisation de parcours, pas le firepower. Comme je le dis tout le temps, et je pense que c'est la tactique qui est le plus en vogue en ce moment, dans le milieu de la polyurcétique, ce qui compte, c'est d'avoir plein de balles. Je pense que, tu vois, c'est plus utile d'avoir un Glock 42, un petit Glock 42, mais avec des milliers de balles, que d'avoir... Je me suis gouré. Que d'avoir un Desert Eagle avec 40, tu vois ce que je veux dire? Franchement. Pourquoi il y a la lumière bizarre là? Je sais pas ce qui se passe dans le jeu, j'ai l'impression que le jeu est en train de me juger en fait. Faut de l'essence pour cramer les zombies. Ouais, c'est ça, faut la gourde. Ok, let's go. On va crever du poison. Joe! Tout oui, oui, oui! Tout ce qui miloute, tout ce qui miloute. Un petit coup de Red Bull. J'ai rien bu. Est-ce qu'il faut que je descende tout de suite? Non, pas tout de suite. On va descendre plus tard. Tu sais en plus que le Desert Eagle, en vrai, il est pas si bien que ça. Ouais, ouais, non, mais bien sûr. Bien sûr, C'est un mime un peu, en fait, finalement, Desert Eagle. Ça a été mimé par beaucoup de films. Mais surtout plus beaucoup de jeux vidéo, je pense. Mais en vrai, je sais que c'est plus ou moins une arme de merde. Écoute, après, un flingue, ça tire, ça tue, hein, c'est tout, hein. Hop. Alors, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouah! Ok. Mais c'est quoi tous ces bruits, là? Oui, mais on s'en fout qu'il est mort depuis quelques heures, t'as pas de choses à foutre. Le zombie s'est pris un Théo. Il s'est pris un petit joupa, mais ouais, mais là, c'était le stress là qui a parlé. C'est le stress qui a tiré en fait, c'est pas moi. Ah là, un sérum. C'est bon ça, le sérum. Bois tout. Fous-toi ça dans le gosier, poteau. Allez, cul sec. Je déconne. Ah, c'est bon. Ah, je suis dépoisonné. Voilà. Bon, écoute, il va falloir que je sorte maintenant pour aller choper. Est-ce que je peux? Non, je peux pas, genre, virer les munitions de mon fusil, là. Genre, le vider. Je peux pas le vider. Non, je peux pas. J'ai toujours pas... Tu sais quoi, on va reprendre une clé. On va prendre la clé de l'armure. Ah non, la clé de l'armure, on s'en bat les couilles. Non, si, la clé de l'armure, elle a... Hop, je sais plus. Je sais plus.
C'est quoi, on va save avant? On va save. On va utiliser nos rubans encreurs. Ruban. Nos burbans encreurs. Ça, c'est une blague très bretonne. En fait, tout le monde s'appelle Burban chez nous. Du coup, c'est super rigolo, mais vous, vous comprenez pas. Sono chino sarame. Mords-moi le bout de la bite. Je vais reposer le ruban encreur. On va reprendre la clé et on va se casser normalement à l'extérieur où on pourra retourner dans l'espèce de cave où il y avait les masques à poser. Et normalement, ça devrait déclencher un truc. Ou nous filer une clé. Ou... J'espère que ça va enfin nous filer la putain de clé casque. Parce que ça, elle nous casse les couilles depuis environ 7000 ans. D'ailleurs, ça ouvre quoi ce qu'il y a derrière là? J'entends des bruits là. J'aime pas les bruits. Qu'est-ce que c'est que ces bruits? Qu'est-ce que c'est que cette bouteille de lait là? Je devrais pas utiliser mes fusils, des munitions de fusil à pompe, hein? Ouais, ça c'est une connerie ça. Ça c'est une grosse connerie. On va reprendre le flingue, voilà. Vous avez utilisé le crochet de serrurier. Ah, j'ai ça en plus! Ok, c'est pourquoi on se casse les couilles à ouvrir les trucs avec des clés si t'as un crochet, espèce de conne. Mais t'as vu ça? Mais c'est pas possible! C'est quoi ça? Pourquoi y'a un fusil encore là? Batterie au lithium. Quoi? Mais pourquoi faire? Simplement de vieux meubles. Non, je parle de fusil là, c'est quoi? Non, c'est pas un vieux meuble, c'est un fusil, ça apprend. Qu'est-ce que c'est? Bon bah, va te faire foutre. Et c'est quoi cette pièce? Oh, c'est mignon ici! Oh! J'ai plus de place, je suis vraiment plein. Je sais vraiment, vraiment, tellement pas utiliser mon inventaire quoi. C'est dingue, je suis plein en permanence quoi. Attends, il va falloir que je me vide un peu, je vais me vider. Bon, regarde, tournez la tête, tous, je vais me vider. Est-ce qu'il est resté mort? Ah, mais non! Eh bah oui, non! Il n'est pas resté mort, pourquoi? Parce que la vie est une sale pute. Tu peux arrêter de me croquer? Merci bien. Je vais maintenant procéder à te foutre des balles sur le sol. Ta grosse race, qu'est-ce qu'il sait, celui? Non, mais casse-toi, toi! Mais tu fous là, toi! Est-ce que tu peux partir? Merci! Ok. Ok, on va se calmer. On va se calmer. Tout va bien, là, tout va bien. Tout va bien. Vire le fusil. Je vais virer le premier fusil, je vais virer les rubans encreurs et je vais virer. Non. Je vais virer. Je vais virer ça. Voilà, on va garder ça et ensuite on sera plutôt bien. J'ai pas beaucoup de trucs pour la vie, c'est la merde, mais écoute, est-ce que l'important c'est pas l'aventure? C'est ce que je lisais en ce moment en fait avec certains gars de la LMF, on essaie de oh merde. Pourquoi je parle? Quand il y a des trucs qui sont bien plus urgents, genre niquer ce fils de pute là. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est pas possible. C'est pas possible. Et je lisais du coup le livre des Basic Rules. Et ça disait genre, y a pas vraiment de gagner ou de perdre dans D&D. C'est surtout l'aventure. C'était super mignon. Bon, je me suis fait buter, mais c'est pas grave. C'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on s'amuse. Ce qui compte, c'est pas la destination, mais le putain de voyage rempli de zombies, de serpents radioactifs et de morts précoces. Ah, y'a pas que les morts qui sont précoces, poteau. Si seulement il t'avait foutu un Superman Punch au lieu de la beigne. Ah, l'autre, il veut juste voir du spectacle, quoi. Donc, on va refaire ce qu'on a fait. On va virer ceci. On va virer ceci. On va virer ceci. Et voilà. Écoute, c'est tout ce qu'on peut garder pour l'instant. La clé du manoir, écoute, on retournera la récupérer si jamais... Non, on va la garder. On va la garder, on a quand même deux slots. Est-ce qu'il y a des augmentations de slots dans Resident Evil 0 1, je veux dire, HDRE Remaster. Je me demande. Sonochino Saname, augmentation d'inventaire. Salut! Toi, tu restes par terre, tu vas niquer ta mère. Oh, ça rime en plus. Tiens, allez, bon appétit. Tac, ici. Ici! Ouais. Excuse-moi, je suis de moins en moins patient, je crois. Il y avait Ghost sur Quotidien ce soir. Ah ouais? Quotidien, l'émission? Et Tobias Forge en interview. Quel rapport? on peut monter là à l'échelle ou c'est juste un truc... Il reste encore plein de kérosène. Mais c'est pas ça que je regarde l'échelle, grosse pute. Et pourquoi y'a un fusil là? Bah, ça marche maintenant! Fusil cassé? Bah, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Examiner. Impossible de tirer avec ce fusil cassé. Peut-être existe-t-il une autre façon de s'en servir. Ah bah d'accord!
Mais oui. Non? Si. Dans la oui. Attends. Oui. Ça dit quelque chose. Il y a un autre endroit où il fallait utiliser un fusil dans une des premières salles où tu vas au début et tu manques de te faire casser la gueule, enfin écraser la gueule. Ouais. Il sert à rien avec Gilles. Ok. Donc ok. Bah écoute, je vais me faire reculer, Momo. Hein. Merci beaucoup. Ok. Quoi, je le jette alors? Est-ce que si je le jette, ça va je peux pas le jeter? Oui, non, ça marche pas ici. Écoute, on attendra d'aller à un coffre, hein, c'est pas grave. Au moins, on sait qu'il y a une batterie ici. On sait que si jamais on a besoin d'une batterie, il y en a une ici. Ils ont même pas parlé de sa musique. Ils lui ont montré des vidéos de Fest, du Hellfest, en mode, ouais, on est des poteaux avec les métal. Ah, ils font que ça, ouais. Quotidien et tout, ils font littéralement que ça. Montrer les mecs qui montent leur cul au Hellfest, Motocultor, etc., etc. Ils font que ça. C'est tout ce qu'il y a apparemment de la cul. Ah, il y a une deuxième batterie ici. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a un mec à la fenêtre là, non? Tu parles que quand je passe, ça va faire clink clunk. Ok. D'accord, donc il y a deux. Ok. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que. On va passer par là-bas, voilà. Faut qu'il arrête de toucher à la vitre par contre, parce que ça a commencé à me mettre de travers. Il y a beaucoup trop de choses. Si, le poignard, c'est bon, je l'ai dans l'inventaire, normalement. Enfin, dans le... Ouais, c'est ça, ok. Tac, 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 tac. Ils lui ont fait, mais c'est bizarre, les costumes. Quotidien, c'est des grosses merdes. Il y a des moments où je les trouve assez marrants. Ah, ouh, un tigre. Il y a l'inscription, un tigre régnant d'une lumière bleue et jaune. Je sais... D'accord, on a deux gemmes. Ok, il y a des trucs à faire, là. Ok, il y a des trucs à faire. Il faut qu'on retourne dans le coffre, qu'on chope la gemme bleue, qu'on dépose le fusil de chasse, qu'on revient, qu'on foute une gemme dans l'œil du tigre, qu'on... C'est Tekken. Ah, j'adore King dans Tekken, mon gars. Quotidien et le petit journal, je peux pas les encaisser. Ah, mais j'ai vu des trucs marrants de eux. Après, j'ai pas forcément d'avis sur eux, mais... Il arrive l'autre ou pas, tu crois? À mon avis, il va pas venir. Je pense qu'il va pas venir parce que je pense que ce Crimson Head a peur de nous. Il nous craint. Il descend, il est là. J'en ai marre de tout ce que... Ah. Alors. On pose ça. On prend ça. Voilà. King, il est miam miam. Ouh là 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 là. Je parle pas de King Barra. Moi, je parle de King. Tu sais, c'est quoi le meilleur costume de King? Attends, je vais te le montrer. Je pensais même à le faire en cosplay à un moment. Je sais, c'est pédé, mais tant pis. Ce costume-là de King, poteau. Ouh oui! J'adore ce costume, il est tellement stylé, en plus du meilleur jeu Tekken du monde. Si c'est pas sur du rap pété ou de la pop rock, tu peux être sûr qu'à quotidien, ils vont se foutre de leur gueule, Remember Gojira. Je sais même pas ce qu'ils ont fait à Gojira. Ils leur ont fait mal. Oh. Ils ont insulté Gojira. Oh. Non mais écoute, ils font dans la provoque, c'est comme tout talk show, hein, c'est des connards. C'est comme l'autre Jimmy Fallon qui avait chié sur les streamers et tout là. Ça avait fait péter un câble à tout le monde, ces trucs. Laisse tomber. Regardez les gens en train de jouer des jeux vidéo, mais qu'est-ce qu'on est débile. Ça m'a trop fait rire. Ça m'a beaucoup trop fait rire. Tekken 7, j'allais... Ok, j'ai eu peur, je croyais que le Crimson Head était rentré. C'est bon, il est pas rentré. Non, vous pouvez rester assis, c'est bon. Ah, c'est comme Ardisson qui invite Squeezie pour se foutre de ses gueules en direct. Récemment aussi, j'ai regardé une vidéo de... comment il s'appelle? Jonah Hill. Parce que pour son rôle dans Maniac, et Jonah Hill, il a perdu un max de... Oh! En fait, c'est Armor King qu'on vient de... Oh! Ouais, Jonah Hill, pour Maniac, il a perdu énormément de poids. Enfin, même avant Maniac, je pense que c'est même pas pour le film, mais il a perdu beaucoup de bides. C'était un petit gros avant, Jonah Hill. Et il y avait un best-of avec toutes les fois où les gens se foutaient de sa gueule en interview ou un truc comme ça sur son poids. Et mec, oh l'horreur, mais c'est tellement triste, c'est tellement genre... C'est, tu sens que son cœur, il explose, même pas à cause du gras, hein. Tu sens que ça le casse en deux à chaque fois que quelqu'un lui fait une blague sur son physique. C'est horrible. Vraiment horrible, quoi. Ardisson, il invite des gens qui se foutent... Pour qu'ils se foutent sur la gueule. Ouais, non mais oui, mais depuis toujours en plus, hein.
depuis comment lunettes noires pour nuit blanche, je crois, ça s'appelle. Il fait ça en fait, il se fout de la gueule des gens. Est-ce que je peux donc en fait, il y avait un zombie là et il y a plus de zombie là. Et je peux pas utiliser la planche ici, c'était une grosse idée de merde de le prendre. Eh bah si, y a un mec. Ah non, c'est l'autre, c'est là, c'est ici. Mais est-ce que tu penses qu'il va rentrer quand je passe là? Aïe aïe aïe. Est-ce que tu penses que je peux foutre la planche de bois ici? Non. Est-ce que tu penses que je peux foutre la planche de bois là-bas? Non. Mais qu'est-ce que c'est que cette planche de bois de merde? Ça sert à quoi d'avoir une planche de bois si je peux pas la foutre au mur, bordel? J'ai été gâté par Resident Evil 2, du coup je sais pas quoi en foutre. Ah. 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 Hein? Un papier s'est trouvé à l'intérieur, il n'y a rien d'écrit dessus. Ah mais c'est même pas... Ah c'est même pas, un... c'est même pas une barricade en fait, c'est un papier. Double plaque. Ah. Hein. Bref, y a une porte à ouvrir juste là. C'est une grosse salle par contre, j'ai peur qu'il y ait du zombie là-dedans. Il a peur que l'un des deux lui foute une baffe. Oh mais quand même, je pense qu'il sent... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, ouais. Pourquoi il y a des plantes qui font peur? Ouh, ça faut les désherbiser, ça, non? Désherbiser. Béberziser. Ouais, c'est ça. Le couvert de cette pompe à eau est ouvert. Pompez l'eau? Pump the jam, pump it. Placer un interrupteur sur quelle couleur? Mais j'ai aucune idée, mais de quoi tu me parles? Vert, je sais pas. Je crois que je viens de donner de l'eau à des trucs. Je sais pas ce que j'ai fait. L'eau est déjà en train d'être pompée. Arrêtez de pomper. Non, vas-y, continue à pomper. Pump it, Jane. Pump it, là. Je me souviens d'une fois où il avait invité Joey Starr. Hardisson. Et il lui avait fait... vous vous êtes assagi récemment. Est-ce que c'est parce que vous êtes sevré en drogue ou est-ce que c'est parce que vous avez un album à vendre? Genre, Joey Starr, il était là, genre... Je te croise dehors. Tu vois, ça m'a fait un peu rire. Mais oui, non, mais il est là pour la provoque. De toute façon, Hardisson, il est juste là pour foutre la merde. Hein. Il y a que comme ça qu'il va faire, de toute façon, de l'audimat. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont entourés de trous du cul comme lui. C'est pour ça qu'il est entouré de cons comme Laurent Baffy, comment Bigard, des trucs comme ça. C'est pour ça que c'est ses meilleurs potes. C'est parce que ça fout la merde, c'est tout. Hein. Puis Baffy, question fouteur de merde, si tu veux. Joey Starr va l'enculer, non mais c'est clair. Baffy, il est drôle. Bah écoute, je le trouvais drôle, et depuis qu'il est sur D8 avec l'autre trou du cul, là, comment il s'appelle, Hanouna, je le trouve vraiment, vraiment beaucoup moins marrant, quoi. Vraiment beaucoup moins marrant. Et je le trouve super consensuel, en fait, quoi. Il est devenu vraiment genre... Ah, les putes et les zizi. Ouais, mon chèque, je veux bien. Donc bref, on va arrêter de parler de ces cons là. Je vais récupérer les deux batteries. Il va peut-être falloir un jour qu'on aille dehors pour ouvrir, pour poser le masque. Tu sais quoi, on va le faire maintenant d'ailleurs. Bah il est drôle sauf avec Hanouna. Bah oui voilà c'est ça ouais. Il est très rapide sur la vanne Hanouna. Baffy je veux dire, c'est au moins ça. Oui non, pas Hanouna. Ok, il y a les deux batteries mais je sais pas encore trop quoi en foutre. On va essayer de visiter un peu avant quand même. Je trouve vraiment edgy, consensuel depuis qu'il est avec elle. Ouais, c'est ça, c'est un peu la vanne, genre... Waouh, mais cette émission, elle est trop extrême, vous êtes trop des fous. Ah, mes chéris, vous êtes tous des fous. Hakuna, Hanouna, non. Hanouna Matata. Faut pas que ce mec se lève. Faut pas que ce mec se lève. Il y a trop de gens qui se lèvent. Mais tu ne le vois pas. Je ne sortirai pas indemne. Cet amour avec toi. Y'a trop de gens qui t'aiment. Tu ne le vois même pas. Tout haut. La 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 la. C'était quoi? Y'avait un truc. Vous avez vu qu'il y avait du jiggle sur les seins de... Regarde. Biblou. Biblou. Bref. Qui que ce soit, sortez. C'est juste le vent. Ferme ta gueule. Je déconne pas. Si vous voulez pas qu'il y ait de conneries, il faudrait mieux sortir maintenant. Pas de regret. Bon bah écoute, c'est qu'il devait rien avoir. Hein.
Journal du gardien. Ce soir, j'ai joué au poker avec Scott, Steve, le chercheur et Alias le garde. Wow. Steve a beaucoup gagné, mais je pense qu'il a triché. Oh, quelle ordure. Aujourd'hui, l'un des principaux chercheurs m'a demandé de m'occuper d'un autre monstre qui ressemble à une sorte de gorille dépecé. Il m'a dit qu'il fallait le nourrir d'animaux vivants. Lorsque, si c'est un gorille dépecé qui sort du placard, je coupe le stream. Lorsque je lui ai jeté un cochon, le monstre a commencé par jouer avec, puis il lui a arraché les pattes et les viscères avant de commencer à le dévorer. Vers 5h, attends. Je peux la refaire celle-là, mais avec une chanson derrière. Lorsque je lui ai jeté un cochon, le monstre a commencé par jouer avec, puis il lui a arraché les pattes et les viscères avant de commencer à le dévorer. Vers 5h du matin, Scott est venu me réveiller. Il m'a vraiment fichu la trouille. Il portait une combinaison de protection. Il m'a dit d'en enfiler une, moi aussi. J'ai compris qu'un accident s'était produit dans le labo du sous-sol. Je savais que ça arriverait un jour, ces imbéciles de chercheurs ne dorment jamais, même pendant les vacances. Je porte cette saleté de combinaison depuis hier. J'ai la peau sale et ça me démange. Les chiens me regardent d'un drôle d'air. Pour leur apprendre, je leur ai pas nourri aujourd'hui. Bien fait pour eux. Je suis allé à l'infirmerie parce que mon dos était tout gonflé et me démangeait. Ils m'ont bandé le dos et le docteur m'a dit que j'avais plus besoin de porter la combinaison. J'ai qu'une seule envie, dormir. Lorsque je me suis réveillé ce matin, j'ai découvert une autre ampoule à mon pied. J'ai eu traîné du pied en allant au chenil. Les chiens ont été étonnamment calmes toute la journée. Je me suis ensuite aperçu que certains d'entre eux s'étaient enfuis. C'est peut-être leur moyen de se venger après 3 jours de jeûne. Si quelqu'un s'en aperçoit, je vais passer un seul quart d'heure. C'est super long, ce gag est trop long. J'ai entendu dire qu'un chercheur qui avait tenté de s'échapper du complexe a été tué la nuit dernière. D'accord, j'aurais dû laisser la musique quand même. Tout mon corps me brûle et me démange durant la nuit. Ok, cimère et évanescence. Lorsque j'ai gratté mon bras enflé, un morceau de chair putréfié est tombé. Cut my life into pieces, this is my last resort. Plus de fièvre, mais démangeaison. Très faim aujourd'hui, manger nourriture de chien. Et on, c'est la fête au manoir. Gratte, gratte, Scott, venu avec sale tête, alors je l'ai tué. Nani, mais qu'est-ce qui t'arrive, poteau? 4/ gratte, délicieux. Ok, très bien, et bah c'est super. J'espère qu'il n'y a pas de gorille dans ce truc. Hein? Franchement, entre nous. Il n'y a pas de gorille, les mecs, hein? Il n'y a pas de gorille, d'accord? Faut pas que ce soit un gorille. C'est une jeune fille. C'est un zombie. L'autre, il s'est levé là-bas. Bah, mais les gars, j'ai un fusil de chasse, alors forcément. Non, pardon, j'ai un fusil d'assaut. Bah, mais les gars, vous savez bien ce qui se passe quand on fait des conneries. Bon. Après, tu fais le 2. Non, pas ce soir. Mais plus tard, ouais. Plus tard, je continuerai Resident Evil 2, bien sûr. Écoute, j'ai tout trouvé là-dedans. L'autre, il a voulu me la jouer, là, le gars par terre, mais... Cette étagère est pleine d'alcool fort. Il va abattre un petit gars planqué dans le placard. Bah, je pensais, en fait, que ça allait commencer à être... Parce que dans Resident Evil, il y a toujours un humain, une petite fille, une connerie dans le genre à sauver, tu vois. Enfin, une connerie, je dis pas que les petites filles, c'est des conneries, mais en général, tu vois. Et je me suis dit, tiens, ça va peut-être être une petite fille, un petit garçon, un truc à sauver, une merde, quoi. Putain, j'ai pas ramassé la batterie tout à l'heure. Ah, fuck. God damn. Bah si, je l'ai ramassé, pourquoi... Bah, hein. Attends. Je l'ai bien ramassé, la batterie au lithium, dans l'armoire. Je suis pas ouf. Bah. Nani Colette. Bah, elles sont où, les batteries? Nani Sonochino lithium. Je sais pas ce que... En fait, depuis tout à l'heure, je me dis non, je veux pas ramasser les batteries, ça va prendre de la place dans mon inventaire. Mais en fait, ça en prend même pas, je comprends pas le... Arsenal tactique. Mais qu'est-ce que je vais foutre avec des batteries au lithium? Ah! Ah! Mais oui, mais vous me dites pas les choses! Comment je sais, moi? Moi, il faut m'expliquer! Tiens, ramasse une batterie. Ah merde! Mais non, mais bouffe pas, grosse conne! C'est pour ton taser! Ah, mais je me liguais aussi! Merde, les gars! Ok, donc c'est pas un puzzle en fait, les batteries, c'est juste pour me remplir le taser, comme on dit. Ok, et eh bah écoute, parfait! Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai pas encore tout à fait fouillé? Eh bah écoute, ça va être dans les autres salles qu'on va visiter. As-tu suite? Non, il faut qu'on sorte! Parce que ça fait 5 heures à peu près que je dis qu'il faut sortir pour foutre ce putain de masque dans son socle. Du coup, on va le faire. Et maintenant, est-ce qu'il y a un moyen de sortir qui est plus facile que traverser ce putain de Crimson Head? Absolument pas. Il va falloir qu'on se le tape. Hi hi hi.
Ok. Eh bah tant pis. Oh oh oh, ça c'était de la terreur ça. Oh ça c'était pas pour rigoler ça. Oh là 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 là. Ah là là là. Mange ta grosse race de pute. Je t'encule par la bite. Chie-moi dans la bouche. Tiens dans ta gueule. Ah 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 putain. Oh putain, c'en était deux. Oh c'en était deux. Il y en avait deux d'un coup. Ah il y en avait deux d'un coup. Oh putain, la panique. Oh la vache. Oh, ça c'était pas pour déconner là. Oh. Je suis désolé si j'ai crié. Je suis désolé si j'ai crié. Je crois m'avoir entendu hurler. Gomen, no désolé, là je suis c'était la full panique là. Attends, il faut que je bois un putain mec, je tremble de ouf. Ah. Même dans RE2, j'ai pas paniqué comme ça, mec. Même dans RE2, j'ai pas paniqué. Après dans RE2, comme on était plusieurs, peut-être que je paniquais moins, c'est sûr. Mais putain, j'ai oh là là. Oh là 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 là. Ah c'est alerte générale là. Il est où Guibert? Putain, j'ai besoin de mon Guibert. Ah oh, putain, en plus je suis blessé de ouf. Il m'a bouffé mes côtes. C'est toujours pas ouvert ça d'ailleurs. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Ok, nique ma race. D'ailleurs, faut l'ouvrir comment cette connerie là? Ok, ça va être un script. Je pense que ça va être un script qui va nous balancer à travers et on va pouvoir ressortir par là. Même avec Léon, tu paniquais pas? Si, 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 bien sûr. Bien sûr, je paniquais. Mais je veux dire, c'était pas. Ok. C'était pas des cris de terreur comme ce que je viens de faire là. J'ai paniqué surtout avec Mr. X. Mais sinon ça va. Franchement sinon ça va. Quoi, utiliser ceci maintenant? Je t'encule la bite moi. C'est pas lui qui a pas de... Ah non, lui il lui manque tout. C'est lui qui a pas de nez, c'est ça? Ok. Ah, ok, alors ce qu'on va faire, on va se barrer, mais tout de suite. La porte bloquée au rez-de-chaussée au milieu à gauche sur la map, je crois. Elle est pas bloquée de l'autre côté. Tu pouvais pas l'ouvrir du coup pour faire un raccourci. Nani Kore. Ouais, je me casse, hein. Je veux pas voir ce qu'il y a dans le cercueil là. J'aime pas le. Les cercueils sacrificiels, c'est jamais trop mon kiff. Ouais, c'est pas par là. La porte bloquée au rez-de-chaussée, fermée de l'autre côté. Tu pouvais pas l'ouvrir de l'autre côté. Nanan de l'autre côté. Si. Maintenant, oui. Oui, oui. Si, ouais, c'est ouais, ouais. Bon, bah, écoute. C'est pas grave, c'est tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est, ça, Arsène? C'est la découverte. Ça, c'est ce qu'on appelle découvrir un jeu. C'est ce qu'on appelle le gameplay émergent. Le fun. J'ai encore des munitions là-dedans? Parce que je sais pas ce que j'ai dépensé depuis tout à l'heure. Je suis juste dans un mode de panique très avancé. Qui, je pense, médicalement, peut se rapporter de très près à la rupture cardiaque. Pas la crise, la rupture. Vous souvenez du film Aviator? Le moment où Brad Pitt... non. DiCaprio se crache en avion avec son premier prototype de ouf, là. Et que il se défonce la gueule et que le médecin lui dit il a je sais plus genre 15 côtes broyées, pas cassées, broyées. Quand j'étais petit, ça m'avait terrifié. L'idée qu'un mec pouvait avoir des côtes genre broyées en miettes, ça m'avait terrifié. J'imaginais genre tous les bouts de pip pip, tu vois, dans le mec qui tousse, fait, tu vois, il perd des bouts quoi, vraiment. Le mec il perd ses billes quoi. Alors attends, on me parle, c'est quoi Twitch? Badge d'abonnés en fonction du nombre de quoi? Message à l'attention des streamers du 4 février. Nous vous avons écouté ce que vous aviez à nous dire avec attention et nous avons compris que les badges d'abonnés devraient compenser vos spectateurs les plus fidèles si il arrive de rater un mois d'abonnement. Eh mais on s'en fout, nous, on s'en fout. Merci Twitch, mais moi, tous mes viewers, ils sont fidèles, ok? J'ai pas besoin d'être récompensé, moi, hein? Alors, ruban encreur, on va save tout de suite. Sonochino Saddam Hussein. Ferme ta gueule. On prend ça. Fidèle, on va dire ça. Non, fidèle avec un E, ça c'est fidèle Castro, trou du cul.
gerbe ses côtes. Franchement, tu vois, ça c'est une phobie à moi. De gerber mes côtes, on sait jamais quand ça peut arriver. Les jambes en miettes de Benko. Bah oui, il a qu'à pas faire du skate quand il sait pas en faire, ce trou de balle. Alors j'ai des munitions de fusil, mais en fait ce que je pense faire, c'est d'abord prendre l'autre fusil de chasse qu'on a. Qui est où d'ailleurs? Qui est là. Utiliser les 6 munitions qu'on a dedans. Ensuite, prendre l'autre fusil qu'on a, le recharger, et comme ça, on va utiliser uniquement le deuxième fusil de chasse qu'on a. Et ça, il y en a, il y a de la pensée. Ah non, mais attends, il faut que je prenne les le désherbant. Ok. Yes. Comme dans ça, avec la flic qui se fait arracher toutes les côtes. Tu vois ça, même si c'est, je suis d'accord, c'est dégueu, c'est vraiment horrible, c'est la torture porn dégueulasse, tu vois. Mais j'ai été autrement vraiment plus choqué par le passage dans Dragon Rouge, je crois, quand Hannibal fait manger son cerveau à Ray Liotta. Quand Ray Liotta a le crâne ouvert et qu'il lui fait manger son propre cerveau, mon gars. Oh là là, j'étais pas bien. Oh, c'était dégueu. C'est pas dans Dragon Rouge. Ah, il me semblait que c'était dans le deuxième. Dans Hannibal, ah, c'est le Dragon Rouge, c'est lequel alors? Je sais pas, je les connais très mal ces films-là, hein. J'en ai juste vu un à un moment. Mais oui, ça m'avait vraiment, vraiment dégoûté. Et ouais, c'était pas beau, quoi. Vous avez déverrouillé la porte. Donc c'est bien la porte qui menait. Ça faisait cheap un peu le cerveau. Mais pas du tout, mec. Tellement pas. C'était en plus, c'est ça le pire, c'est que c'était super réaliste, quoi. Cerveau, c'est pas un truc rose qui fait. C'est pas Krang, hein. Je sais qu'on peut croire, mais attends. Du coup, on va essayer d'aller là où il y a les plantes. J'espère que les autres ils vont pas. Mais passe, G, le gros cul. J'espère qu'ils vont pas casser les vitres parce que j'aime pas quand ils cassent les vitres. Est-ce que je peux activer les vitres? Bonjour. Non, je peux pas. La vie est un cartoon. C'est comme les. C'est pour les LASCARS. Ouais, cartoon référence. Et Lascar. Dragon Rouge, c'est avec Hulk au Brésil. Avec le Hulk au Brésil. Hein. Dragon Rouge, il se passe avant Silence des Agneaux. Et Hannibal juste après. D'accord, oui, donc ouais, c'est bien ça, t'as raison, c'est Hannibal. Voilà. On fout ça là-dedans, ça fait pchit pchit. Les plantes, elles font eh. Et normalement, c'est bon. C'est pas bon. Faut que je réactive un truc. Le couvercle de cette pompe à eau est ouvert. Pompez l'eau, oui. Pompe Jane, pompez l'eau. Sur le rouge, peut-être. Je sais pas. Je sais pas ce que. Ah. Ah, j'ai fait une connerie. Oh non, les tuyates qui 8-6. T'as niqué les glaïeuls. Est-ce que je peux ramasser ça, s'il vous plaît? Je peux ramasser toutes les plantes du monde? Yes. De la life. Yes. Oh putain, il y en a plein en plus, c'est cool. Hulk au Brésil, c'est l'acteur de Fight Club. franchement, parle-nous, quoi. Parle-nous. Ok, ça, qu'est-ce que c'est? Oh, un autre Max. Ça, c'est le masque à qui il manque l'aigueuse, c'est ça? Masque au mortier, j'ai l'impression que c'est ça. Putain, à chaque fois, je me gourde de touche. Examiner. Masque mortuaire sans yeux. Ok, c'est ça. Edward Norton. Ah, d'accord, c'est ça que tu disais. Mais legit, je comprenais pas. J'étais pas en train de me foutre de ta gueule. Legit, je comprenais pas ce que tu voulais dire. Hulk au Brésil, moi j'imaginais déjà. Comment il s'appelle le nouveau là, le Hulk, New Hulk, j'ai envie de l'appeler. Tac, on va combiner ça, on va prendre l'autre herbe verte. Putain, ça cette salle là, c'est la récompense, quoi. Ramasse, yes. Je suis dans la cuisine. Tu bouffes ce que je te prépare. Ok. Ça, c'est fait. Je sais pas où on va trouver l'autre œil du tigre, mais... Spider qui commence à s'exprimer comme Yadar. Ouh, l'observation qui fait mal. Qui fait mal. Je vais chanter pour ceux... Je chante comme Isabelle Mergo. Du coup, j'ai que un taser maintenant. Mais c'est pas trop grave. Et donc il me reste ces deux clés là. Donc ça veut dire que j'ai pas tout ouvert encore avec la clé de l'armure et la clé de l'épée. Si je les ai encore sur moi. Et voilà, ça je savais, j'en étais sûr. Vous cassez les couilles vraiment. Aucun intérêt. J'espère qu'il n'y a pas de Crimson Head parmi vous. J'espère que vous allez pas commencer à casser les couilles. Ah tu sais quoi? Maintenant j'y pense, j'aurais pu prendre le raccourci. Isabelle Margot, c'est Poons. Non, Mergo.
M-E-R-G-A-U-L-T-O. Je vais essayer de rusher par labo. Ah, salut, au revoir. Non. Oh, mais qu'est-ce que tu fous là? Putain, mais il squatte le putain de couloir comme un gopnik là. Mais t'as pas un cours, t'as pas maths avec Mademoiselle Pinot. Je sais pas. Je suis en full impro là. Donc on va foutre le deuxième masque. Sans yeux. Ça va faire encore mal au cercueil. Ah, j'ai mal à mon cercueil. Ah, j'ai mal à mes lunettes. Référence. Madame Oulianov. T'as 100 balles sur toi et t'esquives, que fais-tu de ta vie, jeune breton? J'ai peur d'un scénario RE2R. Je fais de l'ammo conservation, comme on dit chez nos amis néo-zélandais. Qui consiste, c'est une mode qui date de beaucoup avant Jésus-Christ et qui consiste à garder ses munitions et éviter le combat. Comme disait Sun Tzu, d'ailleurs, la plus belle des guerres, c'est celle qu'on n'a pas à combattre. Que l'on n'a pas à combattre, c'est pas ça tout à fait, mais... Sonochino Sadame. Ouais, j'ai l'impression que par contre qu'on va réveiller les Pillarmen là et ça me plaît qu'à moitié. Hein. J'ai bien aimé l'animé, mais c'est aussi présent chez les Samoans. C'est les Samoans, c'est pas les genres de chewing-gum là? Samoan, non? Statue de pierre avec des trous à la place des yeux. Ok, bim bim. Ah! Là c'est la panique, voilà les trolls. Ils s'ouvrent ou pas là? Non, ils s'ouvrent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de manière obtuse? On peut tirer dessus? Eh? Attends, je recharge! Non. Ok! Eh ben, écoute, il faut continuer à visiter le bordel. Sonochino... Faut que j'arrête de chanter ça, d'ailleurs. Vous voulez qu'à la place de Sonochino Salamé, je chante... I got my barbecue shoes on! C'est Dracula dedans, mec. Oh, mec, tu veux dire que c'est Christopher Lee? Oh, j'espère que c'est Christopher Lee! Dear Valentine! C'est Leslie Nielsen. Oh, j'aimerais trop que ce soit Leslie Nielsen, mec. Ça me... Ah, oh, tu sais, Leslie Nielsen, quelque part, c'est papa, quoi. J'ai envie de le dire. Alors ça, c'était clé casque. Il y avait plein de trucs. Ah là, il y a plein de trucs à ouvrir au premier sous-sol chaussée. Il va falloir qu'on aille tout en bas, qu'on fasse tout le tour et qu'on essaye d'ouvrir les portes qui sont dans l'aile ouest, qu'on a moins... Christopher Wagon-Lee Bruce. Oh là là, ta gueule. Tu vas terminer sur Far Cry 5 ou bro... Non, alors, bah écoute, peut-être. Après ça, on va faire du Sims 4 avec le mode des moches, là. Mais si jamais je termine genre super tôt les Sims 4, ce qui m'étonnerait que ça arrive, peut-être qu'on fera du Far Cry 5, peut-être même que je finirai le stream à 5h du mat, on sait jamais. T'sais, écoute, c'est samedi, hein. Samedi, tout est permis, comme on dit. Non, on n'est pas samedi, je suis con, on est vendredi. Je suis vraiment un trou de balle. Hein. Tu vois, par exemple, les trucs de verre qu'il y a par terre, là, les bris de verre, je me dis, si jamais ils veulent faire pop un liqueur là, ils peuvent, tu vois. Et ça me plaît qu'à moitié. Terminer les Sims. Bien sûr que tu peux terminer les Sims, t'es ouf ou quoi, toi? Moi, je vais faire un speedrun des Sims ce soir. Hein. Alors, ça, c'était ouvert, mais il y avait des trucs à choper. Ensuite, il faut que je passe par là, pipapoup. Attends, what? Nani? Oui, ok, oui. Ah. Espèce de sale riche qui a de notre stade commencé avec le RMI de ma grand-mère qui est morte en 2 soirs la semaine dernière. Putain, pourquoi les sons sont aussi forts? Pourquoi les sons sont aussi forts? C'est pas la peine de mettre les sons aussi forts. Pourquoi t'as fait des sons forts? Pourquoi t'as fait un son qui commence par un mec qui crie? C'est complètement con de faire un son par un mec qui crie. T'aurais pu commencer un son par... Hey, Russia, t'as reçu des trucs? Non, bah non, moi j'ai commencé par... Hey, yeah, yeah, yeah. Eh, merci Datmiou qui dit parce que j'ai envie. Bah c'est super gentil, mec. Miaou, miaou. Merci, Mister Miaou, miaou. Ça fait zir... Play. Je sais pas pourquoi j'ai eu peur comme Christian Clavier, mais... Toi, je vais te buter juste par plaisir, vraiment. Quoi? Y'en a un autre? T'as un pote? Venez! Ouais? Sinon? D'autres commentaires intelligents sur la situation à Chypre? Le cours de l'or, je sais pas. Ah oui, ah oui, c'est tous les mecs qu'on pop là. Haha, touché. Coulé. J'ai ton porte-avions, trou du cul. Et tu vas crever, gros cul, c'est pas possible ça. Attends. Non, je tire un peu parce que Spider il commence à faire nénénia, tu utilises pas tes munitions, nénénia, je tire, je joue mieux que toi, nénénia. J'ai fait Resident Evil 2 en facile. Ah. Il y a eu un problème d'intégrité physique, poteau.
On va recharger vite fait. Ammo conservation. Là, c'est pas pareil, ça s'appelle de la détente. J'ai le droit d'utiliser mes munitions quand c'est pour un but purement détentif. Merci, Datmiao. Hein. C'est super agréable. Je sais pas qui c'est, Datmiao, par contre. C'est marrant, c'est un pseudo que j'ai jamais vu. C'est bon. Oh là, j'ai entendu les bruits de gens qui courent. Ah, il a pété la gueule à son pote. Bah alors, putain. T'es un enculé, toi. Laisse ton copain tranquille. Mais non, mais oui, mais relève-toi, petit zombie. Bah oui. Oh, c'est un enculé, lui, hein. Un lurker de longue date. Ah, ça se fait plaisir, ça. J'aime bien quand on me dit ça. Ah. Ah, ah. Voilà. Ok. Maintenant, on passe. Ammo conservation, les gars. Ah, la clé armure. Et bah voilà, on a fini d'utiliser la clé armure, au moins. On a fait 4 heures en honnête de RE2 chez toi. Je trouve que ça allait plutôt bien. Ouais, mais c'est moi qui ai joué. T'es gentil, mais... c'est quoi ce bruit? Non, ça c'est encore des corbeaux. Je vais pas me faire niquer deux fois. Et oui, j'ai plus peur des corbeaux désormais. Qu'est-ce que c'est que ces vitraux? Ils sont très jolis. Ah, je suis pas sûr que ce soit les corbeaux, ça, si. Bah si, c'est les corbeaux. Ah oui, c'est les corbeaux, on les voit en plus. Sonotino salame. Jésus-Christ. Ah, Lisa, protégée par les trois esprits. Une femme portant un bracelet, un collier et une couronne. Il y a un bouton... J'avais oublié qu'on avait utilisé des chansons des Sims permis de sortir sur Game Boy Advance. Merci beaucoup, Torpten. Un an, dis donc. Et du coup, t'as ton joli badge. Nice. Il est sympa, ce son, là. J'aime bien. Ça m'a rassuré, tu vois. J'ai entendu ça, j'ai fait « Ah !» Merci beaucoup, man. Merci beaucoup. Il y a un bouton en bas du tableau. Attends, bouton. Je bois le reste de ma Red Bull et puis on s'en occupe. Ah. Alors, appuyez dessus. Absolument. Ok, c'est la merde. Ça, c'était une connerie, ça. Lâchez-moi, putain de volatile. L'image d'un héros portant un bracelet. Elle est sertie dans un vitrail jaune. Il y a un bouton. Waouh. Se calmer, maintenant, hein. Merci beaucoup, man. Merci pour le sub, Datmiaou. Leur cœur de longue date. C'est ton titre, maintenant. Je suis désolé, ça va être ton titre pour toujours, hein. Ah, un tableau représentant le héros a pris une couleur verte. Ah non, mais c'est un... Ah, je me fais piquer. Ça pique. Putain de con de piaf à la con. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, cassez-vous. Attends, je vais me barrer. Faut aller calmer les trucs. Voilà. Aïe, oui, oui. D'accord, je vois le puzzle. C'est tout con, ouais. Cassez-vous. Ah. Aïe. Salut, Aniostera. Oh putain, c'est la merde. C'est la merde, poteau. Allez, on y retourne en espérant que les corbeaux se soient calmés. Est-ce que je pense qu'il faut, genre, mettre la couleur qu'il faut à la, au personnage qu'il faut... Ah, mais non, mais attends. Non, ça va rien changer, en fait. Attends, qu'est-ce que c'est, ça, là? Apporter la lumière de la vérité aux trois esprits. Mais si j'ai pas envie, je t'emmerde. Donc, ça, c'est quoi? L'image d'un héros portant un bracelet, elle est sortie dans un vitrail jaune. Il y a un bouton appuyé dessus. Non. Un coup de pompe dans les corbeaux, ça change rien, je sais pas, c'est pas le nom de nouvel album. Eh hey, corbeau, maître corbeau sur son arbre perché te l'est dans son bec un putain de cartouche de calibre 12 dans ta gueule. Ha. Je m'en fous, je reviendrai pour tous vous niquer. Lutin, t'as à peu près ce langage. Être ou ne pas être. Ne pas être. Je m'en fous, je vais les avoir à l'usure, hein. Je vais les avoir à l'usure, moi je suis street cred, moi les corbeaux je les défonce. Moi, tout ce qui est corps vidé, je les vide. Les corps. Je me vide les corps aussi, hein. Attends, ils sont où les autres? Il y en avait un dans le coin, là, non? Ah, ouais, il y en a un, là. Attends, avant, je vais buter lui, là. Ah, il y en a deux, là. Eh, ça va être galère à moitié, non? Mais tu sais, les lions, 9 mm parabellum. Ha! 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 En fait, vous êtes trop des merdes. Ah, ça pique! Ah, ils sont pas morts! C'est la merde! Pourquoi c'est des corbeaux en Kevlar? Mais je leur ai foutu du 9mm dans la gueule! C'est un Beretta 92FS! Normalement c'est du 9! Qu'est-ce dans ta gueule? Putain, cul! Saloperie de merde! Putain de bordel de cul! Y'en a d'autres? Il est où? Derrière moi? Je crois qu'il est derrière moi. Je suis terrifié. Je suis terrifié. Merci beaucoup, Max Midland, pour le resub. 6 mois. Ouah! Il y a le con. Ah, qu'est-ce que toi? Eh!
Attends. Attends, je vais attendre, je vais lui tendre un piège. Piège! Il est où? Il va arriver. Il est où ce con? Ha! J'ai la rapidité du souriceau. Il est mort? C'est bon. C'est bon! Ok, alors. On était où? Il y a la couronne en vert, le collier en violet et le bracelet en jaune. C'est ça le délire? Non. Ok, donc le bracelet jaune, c'est bon ça, non? Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ces conneries là? Collier, il faut le foutre en violet, c'est ça? Voilà, appuie sur le bouton, voilà. Ça, c'est bon. Non, le collier, si, c'est le collier, c'est violet et la couronne, c'est vert, c'est ça? Ah, c'est peut-être qu'il fallait appuyer genre sur les boutons, mais de l'autre côté. Non, je sais pas. Peut-être qu'on s'en bat les couilles aussi. Hop, et normalement là, c'est bon. C'est, j'ai respecté les couleurs, tu peux pas m'enculer là, hein? Eh, c'est bon, j'avais 20 sur 20 sur mes couleurs à chaque fois en CE2, c'est bon. En plus, j'ai fait qu'une semaine de CE2. Eh ben, c'est pas probant, poteau. Eh ben, c'est pas probant. Hein. Une femme porte un bracelet, un collier, une couronne. Ouais, ok. Mais c'est pas bon, là, là c'est, peut-être que le bracelet, il est pas censé... Merci Torpten, j'adore, quel bonheur de te voir te chier dessus, je m'en lasse pas, putain il faut vraiment que je baisse, attends, je vais baisser un peu mon niveau parce que ça me fait flipper pour rien, j'ai pas envie que vous en utilisiez la thune pour me faire flipper, je trouve ça dégueulasse, merci beaucoup Torpten, ça fait super plaisir, t'es un enculé mais ça fait plaisir quoi, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment une super journée. Et ben non, si c'est bon, couleur d'origine, je sais pas, le bracelet il est rouge, j'en sais rien moi, il est rouge, il est vert... Ça fait quoi? Est-ce qu'on peut appuyer ici aussi, là? Peut-être qu'il faut faire des mix de couleurs, non? Ah! Eh ben voilà, oui, il fallait faire des mix de couleurs, en fait. Et ouais, c'était difficile, hein, l'énigme. Je suis vraiment un joueur hardcore, en fait, moi. Pourquoi je me fais chier à jouer un jeu aussi facile? Ok, normalement, c'est bon, là. To de la mort! Non, c'est... Ouh! Eh ben voilà! Eh, c'était pas compliqué, bordel. Oh, il est horrible, lui. Oh, la vache, ça fait peur de ouf. Est-ce que j'ai pris beaucoup de dégâts, d'ailleurs, avec ces connards d'oiseaux de merde, là? Non, j'ai même pas pris de dégâts, eh. Plutôt la bonne nouvelle. Je pourrais tout de suite aller foutre le masque serti dans le truc, mais j'aimerais bien avoir full munitions avant d'y aller. Et du coup, ça me fait sortir dans le jardin, c'est ça? Et ça allait, eh. Et ça allait. Ah, yes. Cosmai. Ok. Bon allez, on va quand même poser le masque maintenant. On n'a pas besoin de munitions. On s'en fout. Ce qui compte, c'est pas le nombre de munitions. Le mec, il casse les couilles à tout le monde. Avec ses vieux dictons de merde de Sun Tzu. Et finalement, ça, on s'en bat les couilles. Je pense que ça va ouvrir le cercueil. Et qu'on va trouver le dernier masque dans le cercueil. Je suis sûr que ça va être un truc dans le genre. Tac. Examiner. Le masque mortuaire sans bouche. Il fait vraiment, vraiment peur, ce putain de masque-là. Il me met pas bien du tout. Ok, allez, let's go. Allez, let's go. Oui, c'est bon, on sait que c'est un glory hole. Allez, hop, on utilise ça. On bouche le glory hole et on est tranquille. Glory hole. Ah. Bah, ça a rien ouvert. Je crois que je me suis fait cuck. Ouais. Il y a eu du cucking. Comme Stephen. Œil pour œil, dent pour dent. D'accord, mais ça m'aide pas. Non mais ouais, je me suis fait cuck, ouais. Il faut encore un masque. Les flammes montent de plus en plus haut, c'est qu'une question de seconde avant qu'elles ne vous atteignent. Ouais, mais c'est pas grave. Alors, dernier masque. De toute façon, là, il nous reste plus qu'une clé. Donc on a plus qu'à se balader un petit peu. Ah non, remarque, il faut qu'on récupère la clé casque. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas ouvert encore, Madame Pécor? Donc on peut re-rentrer directement dans le jardin. Et ça va nous mettre dans la merde. Ah non, le symbole du vent. Non, le symbole du vent n'ouvrait pas le truc qu'on voit au nord, là. Ça, on s'en souvient. On a un fusil demi qui sert à que dalle. Je sais pas trop où on peut le foutre.
Et il nous manque aussi un cristal jaune pour foutre dans l'œil du tigre. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi ce que je suis en train de dire. On dirait une espèce d'aventure de Dora l'exploratrice. Il est où le diamant à mettre dans l'œil du tigre? Where is the diamond? Up my ass. I smuggled it so that the DEA can find it. Oh mince. voyons voir si on peut ouvrir la porte qui est juste à côté là. Ou elle, si elle est ouvrable uniquement avec la clé casque. J'espère que les Crimson Heads qu'il y avait là ne sont pas vivants. Aha! Surprise! Je sens Crimson Heads! C'est la merde, je me casse pour toujours! Okay. Faut qu'on récupère des munitions. On va récupérer des munitions avant. Si ça vous dérange pas, on va aller chercher des munitions, hein. D'accord? On fait comme ça? Ça vous dérange pas? Je suis perdu. Mais non, c'est simple, enculatrix. Il faut qu'on récupère le diamant jaune pour mettre dans la tête du tigre. Ensuite, comme ça, on va pouvoir récupérer la clé casque qui va nous permettre de donner l'accès au masque sans bouche, sans yeux et sans nez. Ensuite, ça ouvrira le cercueil plein de sang et on pourra sortir du manoir. Oh mince! Where is the zombie? Mais oui, Jamy, il faut récupérer le masque mortuaire. Mais alors, Jamy, il est où, le masque mortuaire? Pourquoi Wesker, il arrête pas de faire des trucs qui tuent des gens? Alors, c'est quoi le moyen le plus simple d'aller à la machine à écrire coffre? Ouais, ok, c'est par là-bas. Ok, avec ce raccourci qui nous a été très très utile, qui a été trouvé par Arsène, que j'aurais jamais trouvé tout seul. C'est quand même, je tiens à dire quand même que le remake de Resident Evil 1 est génialissime. Il est vraiment sublime. Je sais pas si... En fait, je trouve qu'en tant que remake, il fait forcément un meilleur boulot que le remake de RE2. Le remake de RE2 se le réapproprie, en fait. C'est un... J'avoue que c'est plus un remake qu'un remaster. Et le premier, c'est un remaster, mais... Tu perds quand même beaucoup d'aspects du jeu dans RE2 Remake. Ça reste un jeu génial, hein, mais... Moi, ce que je disais... Aïe. Tasse-le. Don't tase me, bro. Aïe. C'est bon. Aïe. Tu as crevé ta grosse race. Ouais, merci. Et donc, ce que je disais la dernière fois, c'est que dans mon ranking, je pense que quand même dans le top 1, en première place, il y aurait Resident Evil 2, et juste en dessous, il y aurait Ex-Echo, Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 4. Raccourci donné, je gagne un niveau pour avoir résolu l'énigme. Un an pour Arsène aussi. Merci beaucoup, Arsène, pour ta fidélité inviolable. RE2R, il a 8 sur 10 chez Canard PC. Ah, et qu'est-ce qu'il donne comme défaut? Je trouve que c'est vraiment un très très bon jeu. Le problème... En gros, en fait, c'est complètement con, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une grosse partie du jeu qui se passe dans dans les égouts, forcément. Ils ont pas le choix, hein, c'est dans le jeu de base. Mais je ne supporte pas les niveaux dans les égouts, et c'est vraiment, vraiment au détriment du jeu, quoi. C'est con, je sais, ils ont pas le choix, les gars, c'était dans le jeu de base. Alors forcément, il faut qu'ils foutent des égouts. Mais j'ai vraiment, vraiment du mal avec les égouts, quoi. Ça va, la section dans les égouts là est pas non plus horrible, mais j'ai vraiment kiffé le passage dans le commissariat. J'adore le passage dans le laboratoire, j'adore tout le reste, mais vraiment les égouts m'ont pété les couilles. Même s'ils sont pas forcément difficiles, le passage dans les égouts, en fait, comparativement, il est pas très long, il est pas très difficile. Mais c'est chiant, j'aime pas les égouts, quoi. J'aime pas les égouts. I hate sewers. Et je ne suis pas un pingre. I'm not a penguin. Donc, on retourne tout là-bas. Pour aller, donc, défoncer le Crimson Head. Est-ce qu'il aurait fallu que je chope la gourde? Vas-y, je vais retourner choper la gourde. Je vais retourner choper la gourde. Oh! Bonsoir. Avec Léon, tu as quelque chose en plus dans les égouts. Ouais, le viol en réunion. Les tortues ninja. Mais avec Claire, c'est de la merde. Ouais. T'as commencé du coup les scénarios bis ou pas du tout? Eh bien non, parce qu'en fait quand tu finis avec Léon, tu chopes le scénario bis de Claire, et quand tu finis avec Claire, tu chopes le scénario bis de Léon. Et du coup j'ai pu faire que le trajet Léon A, vu que je voulais pas finir Claire sans les poteaux.
Donc non, j'ai pas encore regardé les scénarios bis. Je sais que c'est la merde, mais j'ai pas encore été maté. Donc je vais prendre gourde et briquet, hein. Tac, on va foutre l'herbe verte ici. Et voilà, on a un bon petit stuff. En gros, ils disent que c'est un super remake un poil trop cher. Oh, tiens, c'est marrant ça. Je trouve pas qu'il soit trop cher. Je sais juste qu'il y a, eu une vague de problèmes sur PC qui était assez handicapant, où en gros Resident Evil 2 ne prenait en compte que le Integrated Graphics. Donc il prenait que le chipset graphique pour faire tourner le jeu, et que du coup ça te limitait à genre 19 mégas de VRAM, ce qui est pas forcément super utile. Mais sinon, je l'ai pas trouvé excessivement cher. Enfin, je me suis pas senti volé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, où est-ce que j'ai dit qu'il fallait qu'on va à Lyon? Je suis con ou quoi? Pourquoi je suis revenu là, en fait? Oui, si, c'est bon. Par là-bas. Attends, moula golum. Blip. Tac, utilisé. Succès déverrouillé, burn baby burn. Disco inferno, burn baby burn, burn them all down. Ok, donc on a que deux recharges de kérosène pour niquer les trucs. C'est suffisant, c'est pas grave. Burn baby burn. Oh putain, je vais l'avoir dans la tête maintenant, j'adore cette track. Après ce que j'ai pu lire, le succès du remake de Hero 2, ils pensent déjà à un remake de Hero 3, bien sûr. En fait, ce qu'ils ont surtout exprimé, c'est que le Hero 2 est sorti après que le remake en fait de Hero 1 ait eu autant de succès et ait été autant encensé par la critique, en fait. Donc ils se disent qu'il y a vraiment un truc à faire. Qu'est-ce qu'il fallait que j'ouvre, moi? Oui, là-bas. Donc il faut que je passe par là. Dadadadada. Ouais, ok. J'avais raison pour le briquet. Oui, Araski. Oui, t'avais raison, Araski. Upvote. Et ils ont dit, du coup, bah écoute, si vous voulez un Hero 3, vous avez qu'à nous le dire. Et je pense qu'ils vont un petit peu mesurer l'impact médiatique du 2. Ils vont voir s'ils ont la thune pour. Mais à mon avis, avec les thunes qui sont faites sur le remake, là, ils ont un peu tout défoncé. Je crois qu'il s'est extrêmement bien vendu sur toutes les plateformes. Donc ouais, le remake de Hero 3 sortira. Je crois même qu'il est déjà en dev, hein, si je me gourre pas. Donc bon... Si Square pouvait s'inspirer de ça pour leur remake de FF7, ah bah oui, c'est clair, c'est ce que demande tout le monde. RE6 remake. T'imagines s'ils sortent un remake de RE6 à la place, tu sais. Ok, donc écoute, c'est le prochain Resident Evil. Toute l'assemblée qui retient son souffle, tu sais. RE6. Et je pense qu'on pourra entendre 100 détonations différentes de tous les suicides dans la salle. RE6, le jeu de cartes sur Pachinko. Mais je faisais des blagues. Tchouah. Dans ta gueule, je t'encule, moi. T'es mort. Ok. C'est verrouillé. L'emblème de la famille Spencer est gravé sur la poignée de la porte. Ah, carrément. Ok. Eh ben écoute, je sais pas trop ce qui me reste à ouvrir, en fait, là. RE7 avec des caméras dans les coins de mur. RE7 avec des caméras fixes, ce serait stylé. Mais je trouve que moi, RE7 s'y prête pas mal. J'ai pas tous les environnements en tête, mais je pense que ça s'y tiendrait pas mal. Qu'est-ce qui me reste à ouvrir là? Parce que en fait, je suis un peu paumé. J'avais ouvert ça, le truc qui était tout en route? Nani. Ok, voyons voir. Je voulais voir un truc à propos de la salle qui est là, qui a essayé de m'écraser la dernière fois. Vu que maintenant on a une réplique de fusil de chasse, est-ce que c'est possible d'utiliser dans cette salle-là? Vous ne pouvez pas rebrousser chemin, d'accord. Donc ça, c'est un gros nictaras, comme on dit dans le métier. Ah, il y a la grosse salle avec les putains d'armures, là. Ouais, faut pas que je l'oublie, celle-là. On va revenir... Ah, On va revenir... Ah. Je crois que je suis en train d'avoir une attaque. Bagley Boogigig. Calme. Pensez positive. Un petit chien. Un petit mulot. Un poulet braisé. Des frites. Le remake de Resident Evil 2. Si t'as le bras qui dort, c'est un AVC. Si j'ai les deux, c'est quoi? Ça s'annule.
RE4 remake avec une ambiance moins fun que celle de base. Ça serait chelou. Bah ouais, surtout que ça fait un peu partie de la réussite, je crois, du soft. Le fait qu'il y avait une ambiance un peu fun. Ok, on va essayer du coup de passer dans la salle des armures là. Il doit y avoir un puzzle. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé façon puzzle. Ok. J'espère qu'il n'y aura pas de zombies. C'est bon. Ouh, le remake de Skyrim, ils l'ont pas fait. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave ça. Faut arrêter de dire des choses comme ça, hein. J'espère que Todd est pas là. S'il t'entend, on va tous se faire niquer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ça? Malheur à ceux qui osent troubler mon sommeil. Il y a un bouton. Appuyez dessus, pourquoi pas. Ah, ok, je suis mort. Ça m'a empoisonné, t'es sérieux? Est-ce que ça vient de m'empoisonner là? Ou est-ce que ça me retire de la vie progressivement? Si ça vient de m'empoisonner, mec, je vais péter un plomb. Ouh, ok. It's nerve gas. Est-ce que tu penses qu'il a été coupé déjà là? Est-ce que tu penses que ça a reset le truc? Putain, le piège Scooby-Doo quoi. Ok, ça a reset. D'accord. Qui ose troubler mon sommeil, mon cul. Ok. Je pense qu'il y a peut-être... J'arrive où les statues elles bougent quand je passe. Il y a un objet dans la cavité, mais la grille vous empêche de le prendre. Très bien, il y a des tableaux en haut, là. Là, c'est quoi? Un bouclier, une hache, un truc et un truc. Hein. Gigot les gens, bonne surstimulation de rue. Merci beaucoup. Faut les pousser, les trucs. Scooby. Scooby, j'ai touché la statue et l'autre elle est rentrée, Scooby. La statue qui bouge. Attends, et si on fait celle-là, ça fait quoi? Allez. Ok. Blip. Ce que ça fait, c'est que ça casse les couilles. Et donc si je fous celle-là, est-ce que ça va faire sortir l'autre? Non. Donc ça veut dire que je peux faire rentrer celle-là. Tac. Hop. Et voilà. Et là, le gaz ne m'atteindra jamais. Blip. Et là, je suis immortel. I'm invincible, motherfucker. America. Et voilà, trop easy. Trop facile, on dirait pas que j'ai passé un quart d'heure la dernière fois à essayer d'ouvrir un petit coffre personnel dans RE2 Remake, hein. Alors, examinez. Boîte à bijoux. Il y a un bouton. Allez, j'espère que c'est pas encore du Norgas, mec. Ah, mon visage. Nani? Faut tout... Hein? Ouais? Ok. Faut appuyer sur toutes les touches, c'est ça? Ah. Mais attends, il y avait d'autres trucs à appuyer, non? Est-ce que j'ai juste énormément de bol? Est-ce que j'ai du bol de ouf? Je crois qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'ai énormément de chance dans ma malchance. C'est un peu comme... comment il s'appelle? John McClane. Yippie-kaye, pauvre con. Je le fais pas, je fais plus Samir. Yippie-kaye, pauvre con. C'est Hans Kruger. Tout cela n'a qu'à Tommy Plaza. Alors, faut qu'on sorte. J'ai plus de ruban encreur. C'est marrant. Il y a un truc qui est très très drôle. C'est que maintenant que j'y pense, j'ai plus de ruban encreur. Donc c'est la merde. J'espère que, par exemple, quand on va ouvrir le cercueil dans quelques secondes, il n'y a pas un genre de truc énorme et dégueulasse qui va venir me bouffer la chatte. Écoute, il n'y a plus qu'à espérer. Hein. Par le pouvoir du Scooby Gang et de la Mystery Machine. Combien parmi vous ici a vu la parodie porno de Scooby-Doo avec Sammy qui est déchiré et en fait on apprend que Scooby-Doo existe que dans l'esprit de Sammy? Tu connais les Hunters, juste pour check? Ouais. C'est dans les 4 Dead. Ok. Tac, tac. J'ai pas de soins. On n'a pas besoin.
Sono Chino Sadame Jojo. Toutoutourou. Je dois tirer ou pas? C'est du gâchis, non? Qu'est-ce que c'est ce délire? Il y avait pas un cercueil avant là? Ah, les munitions là. C'est quoi? Non, prends les munitions à côté, poteau. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Non, non, il y avait des munitions! Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un Crimsonhead, c'est pas un Hunter. Bah, je m'en fous du coup. Ah ah! Et bah alors! Ah, ça pique de ouf! Chouala! Ah ah ah! Ouah, Scooby! Chut! Quoi de Scooby, nous? Nous, on te suit partout! On va résoudre ce mystère! Ok, prends les munitions, cocotte. Ok. Prends un Scooby-Scuit. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle en français, les Scooby-Snacks. Un Scooby-Scuit, c'est trop bien. Ok. Quelque chose à l'intérieur. Oh, ma bite. Ah non. Objet en métal et pierre. Ok. Pierre et vacances. Tu sais que j'ai toujours pas de ruban encreur, c'est toujours la merde, hein. Oh, rien d'inhabituel. Si, je trouve. Un emblème est gravé sur l'objet octogonal. Ok. C'est pas ça le... Est-ce que c'est le... Mec, je viens juste de tilter que c'est le symbole d'Umbrella, en fait, avec le symbole des Spencer juste devant. Parce que Spencer, du coup, a aidé, je crois, à fonder Umbrella avec l'autre gars, non? Avec Mark et Spencer. Ok. Ok, go. Donc ça, tout est pris, c'est bon, l'autre, il va jamais se réveiller. Du coup, il a quoi de spécial, ce Crimson Head? Je sais pas, je crois que c'était juste un Crimson Head, hein, il a pris 3 cartouches, comme tout le monde. Pan, 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 j'y mettrais bien la cartouche, poète. Donc du coup, j'imagine que ça ouvre la pièce qui est juste à Teco, là-bas. Qu'on va aller s'empresser d'ouvrir tout de suite. Et il y aura des milliers de rubans encreurs. Il y aura plus de rubans encreurs qu'on ne peut en dépenser dans une vie. Il a quoi de spécial, ce Crimson Head? Il est gay. Avec ce jugement tellement gratuit. Gilles m'intéresse que pour la consommer. Je préfère de loin, Chris. Il est où le mec barin qui est rentré tout à l'heure? C'est qui cette pute? Ok, c'est ça, non? Ah bah non, c'est de la merde ce que je fais. Donc du coup, ça va être servi à utiliser... Je crois que je suis en train d'avoir un AVC, parce que je dis vraiment de la merde. Ça va être servi à utiliser au-dessus. S'il vous plaît, appelez les secours. Je pense que ça va être utilisé là. Là, po. Po. Tinky Winky. Dipsy. Dipsy. Là, po. Po. Teletubbies. Teletubbies. Ils ont fait une tournante avec ta petite sœur. Le Crimson Head, c'est un genre de proto-hunter. Ah, il avait presque les griffes. C'est-à-dire, les griffes de quoi? C'est quoi qui a des griffes? Les hunters, ça a des griffes? C'est quoi les hunters? J'aime pas les hunters. Je sais pas ce que c'est, je les aime pas. Je sais que ça s'appelle du préjudice, et c'est hautement punissable par la loi, mais j'aime pas ça du tout, du coup, déjà. J'entends des bruits de choses qui marchent. J'aime pas... on est dans une grange de RE4 ou quoi, là? Ah, on peut rentrer là, en dessous. Ah, encore une batterie? Ok, ça c'est cool. C'est nick. 911, quelle est votre urgence? C'est la merde, poteau. Voilà. Y a quoi qui s'ouvre, là? Ok, il y a des flèches sur la carte. Merci au gros con qui a fait des flèches partout. Y a rien d'autre ici, de toute façon. Oh là là. Oh là, ouvre la porte, putain. Oh, le stress. C'est quoi? J'aime pas. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout l'environnement, là. Le Hunter, c'est gros, cuirassé, ça a les griffes des liqueurs et leurs yeux. Hein? C'est Guy Bedos, quoi. C'est ça que tu me dis? On va croiser les mecs Guy Bedos avec des griffes? Putain. Oh, ça va être dégueulasse. Et c'est quoi ici, là? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok, bon, tu sais quoi? Là, j'ai l'impression que ça va vraiment vers l'infini et l'au-delà, quoi. Oh putain, c'est quoi ce délire? Cela ressemble à un panneau indicateur. Oui, j'ai vu. Valley of Destruction. Non, destruction, hein, pas destruction. Destruction. Cave of the of Hatred. Summit of Madness. Et en dessous, c'est quoi? Path of Revenge. Eh bien.
La vallée de la destruction, la grotte de la haine, le pic de la folie, le chemin de la vengeance. Ok, Lovecraft, ça va, je te dérange? Attends, merde, j'ai activé une deuxième fois, du coup ça casse les couilles. C'est quoi? Il y a la girouette qui tourne. On s'est fait exprès, mais... Pourquoi la girouette, elle tourne, casse les couilles? Arrête! Il y a un bouton. Non, attends. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se barrer la race avant. Mon guide Michelin avait raison. Ah! Non, pas de cinématique, c'est des conneries, ça! J'ai pas save depuis 8 ans! Wow. Ah. D'accord, bah c'est cool. Va pas dans la forêt, Jill, déconne pas. Va pas dans la forêt pendant la cinématique. Va pas, on se casse. C'est bientôt Lisa. Mais c'est qui Lisa? C'est qui tous ces gens que vous parlez depuis le début là? Je connais pas le premier Resident Evil moi. C'est Lisa, ouais, c'est le Hunter, ils ont des griffes, je connais les jeux. Putain, bande de connards quoi, j'hallucine. Ok. Ce qui est marrant, parce que en fait, tous les autres Resident Evil, j'ai au moins vu quelque chose, Code Veronica, même Resident Evil 1.5, Resident Evil 0 et tout. Mais Resident Evil 1, vraiment, j'y connais rien du tout, quoi. Encore ? Jill to Brad, can you hear me? Ouais, qu'est-ce que tu portes ? Shit. Ah bah, c'était bien comme cinématique. Hein. Franchement, restec. Bon bah écoute. Chien ? Salut ! Dans ta gueule ! Ah, ça n'a pas suffi ! Oh, c'est la merde ! Tiens, je t'encule, ça l'enculé violeur en série ! Bête ! Bête ! Ok, c'est bon. C'est bon ! C'est bon ! Oh, je suis un gaillinette. Ouais, du coup, je peux pas directement la combiner avec ça, j'imagine. Voilà, ça, c'est le bon game design. T'as oublié de prendre un truc sur la girouette, c'est pas grave, j'y retournerai jamais à la girouette. Putain, c'est un fauteuil roulant lance-flamme de Bloodborne, ça. J'aime pas le délire. C'est quoi ça au-dessus de la porte? Aimez-nous, là. Ah. Je t'encule, sale enculé. Action conséquence. T'inquiète pas, je retournerai ensuite dans la forêt Uzui. Je vais t'appeler Uzu, tu sais quoi? Ça me plaît plus. Je te change ton identité, je m'en bats les couilles. On dirait une fontaine, bien qu'il n'y ait pas d'eau. Mais alors... comment est-ce que tu sais, ça pourrait être juste une statue moche? Ça mène où, ça? Ameno. Iperlati emulari ameno. Herbe dans la cour. J'ai pas de place, ta grosse merde là. Merde. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh là là, on rentre dans le territoire des puzzles. Ouais, il y a un trou carré. Bah, mais y t'habites. Pareil que les bites des femmes, c'est carré, non? Je sais pas, j'ai jamais vu. J'ai aucune idée comment ça se passe, la reproduction humaine, vraiment. Étant issu une famille entièrement constituée de loutres, principalement, et d'ours, je ne sais pas comment ça se passe. Bon, on va essayer de voir là-bas, alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est toi, Spencer? Allô? C'est pas du tout un fauteuil roulant, c'était une grosse marmite. Je suis vraiment con, dis donc. Ok, et c'est quoi, ça? C'est de la merde. C'est de la merde, en fait. C'est ça que t'es en train de me dire? Ah, bah, c'est pourrable, en fait. D'accord. Bon, bah, écoute. Ouais, bah non, c'est juste de la merde, ok. Donc il nous faut une manivelle. Est-ce qu'on n'avait pas déjà ramassé une manivelle à un moment de temps? Comme disent des paysans chez moi. Un moment de temps. Il n'y avait que Jonathan qui disait ça dans notre classe au collège. Ouais, c'est un moment de temps, là. Dambondu, il disait Dambondu. Mais, genre, pas pour se foutre de la gueule des paysans. Il le disait vraiment non-ironiquement, tu vois. Pauvre Jonathan. Qu'est-ce qu'il était con. Il avait pas inventé le plat de la main morte. En plus, c'était le seul mec qui avait une PSP dans le collège quand elle est sortie. Tout le monde dans la classe, je crois, ça a été en fait
Tu vois le film Mise à prix avec le gars qui est dans la tour et il y a plein de tueurs en série qui enfin de tueurs à gages qui essaient de le buter. C'était exactement pareil mais pour la PSP de Jonathan Poteau. Tout le monde essayait de la lui piquer quoi. Il pouvait pas dormir, il pouvait pas si cligner les yeux comme ça, il perdait tout d'un coup. Alors machine à écrire coffre. OK, on va essayer d'aller là-bas. On va essayer d'aller save. Ah non, mais non, je suis con, j'ai pas de ruban encreur. Fuck. Enfin, je pose des trucs. Je vais aller poser des trucs. Sonochi. Ah putain, on peut pas revenir, je crois, ici, non? Oui, ça a pété la poignée. Oh putain, à cause de leur connerie de gameplay à la con, là. Ouah! Ouais, oui, non, il y avait d'autres problèmes ici. C'était pas juste une poignée. C'était pas juste une poignée. Il y avait d'autres petites choses. Ok. Ok. Vraiment, j'ai pas d'autres rubans encreurs, c'était pas des blagues, hein. Hein? Genre, y'en a pas un que j'avais oublié là? Ah, Sonochino Comcom. Yes. 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 Comme dit Bison. C'était juste un ouvrier en train de poser des plaintes. Comcom. Comcom. Rock'n'Roll High School. Comcom. On va reposer les rubans encreurs. Je suis tellement heureux d'avoir un putain de ruban encreur là maintenant, tout de suite, quoi. Tout de suite. Tu sais quoi, on va rien ramasser pour l'instant. On va retourner directement dans la cour par le haut. Côté survie, briquet. Ouais, non, pour l'instant, j'en bats les couilles. Pour l'instant, il y a les couilles en sont battues, hein. Comme on dit. Comme Marie Trintignant. C'est assez dégueulasse. Ouais, non, j'avoue. Sa lumière chaude vous détend. Ouais, super, cryostasis. La forêt, c'est le seul endroit à suivre. Ouais, parce que j'ai pas de manivelle, du coup, non. On va se barrer par la forêt, quoi. Choper la com-com. Wow! Ha ha! T'es là en PD! J'espère que tu montes pas les escaliers. Il monte les escaliers, le con! Attends, comment faut se barrer? Par là-bas, tout droit. Ok, c'est bon. C'est la panique, hein. Ça, c'est la panique, voilà les trolls. Ok, donc on retourne par là, on fait le tour, tac, tac, tac. Là, il n'y aura pas de zombies, on est tranquille. Donc on a tout fini, on a tout cramé. En espérant qu'on n'ait pas à retourner là-bas. En fait, je suis con parce que à chaque fois, j'élimine les zombies et je les brûle uniquement dans les endroits où on s'en bat les couilles. Genre un couloir où on passera jamais, des trucs comme ça. Je suis pas quelqu'un de tactique. C'est pour ça que j'ai laissé tomber les RTS quand j'avais environ 7 ans. Pendant ce temps-là, tu tournais la manivelle. Non, jamais. La 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 la. J'ai jamais aimé cette chanson. Vraiment. Je dirais pas que je la détestais, mais j'ai jamais aimé. Donc il faut qu'on rentre par là, skip that tap, et on passe par là-bas. Ok, bah écoute, rendez-vous dans la forêt, on s'en fout, on a save. J'avais le son à fond pour écouter une vidéo sur Messenger, ton enculé il m'a exploré l'oreille interne. Bah oui, mais pourquoi tu mets le son à fond aussi? Tu sais très bien qu'il faut jamais mettre le son à fond dans un stream LMF. C'est très bien qu'on peut pas rester sous la barre des 550 décibels, qui est par ailleurs équivalent, je crois, à un jet, il me semble. Quand j'ai dit enculé, qui c'est que j'ai traité enculé? J'ai jamais traité personne d'enculé, moi. J'ai surtout jamais ici, c'est un stream chrétien, on n'a pas le droit d'insulter les autres. Aime ton prochain. LMF, c'est aussi fort qu'un concert de Manowar. Exactement, sans les attouchements sur mineurs, mais ouais. We're the warriors. Warriors of the world. Aime ton prochain fils de pute. Ton prochain fils de pute ou ton prochain virgule fils de pute? Attention, c'est assez important la ponctuation madness. Donc dans la forêt, c'est parti dans la forêt. Ça va être la forêt des suicidés de je sais pas quoi là. Ça va être la grosse teuf mon gars. On va croiser Logan Paul. Non, c'est comme ça qu'il s'appelle, non? Ou PewDiePie, je sais plus c'est lequel. Ok, alors faut aller dans la forêt des condamnés, je sais pas quoi, la grotte de la vengeance. Ok. Il y a un bouton. Non. De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est quoi, j'ai déclenché les chiens ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Faut choisir son ennemi, c'est ça le truc? Attends. Appuyez dessus, ouais. Ah oui, il y avait le nom des grottes ou je sais pas quoi là. Attends. Attends, au nord, c'est la vallée de la destruction, la grotte de la folie. Attends, c'est quoi? Alors, la vallée de la destruction, grotte de la haine,
le pic de la folie ou le chemin de la vengeance. Qu'est-ce qui vous plairait le plus, les gars, de voir? Parce que j'ai l'impression qu'il faut à moitié le sélectionner, en fait, le truc, mais je suis même pas sûr. Moi, j'aime bien la vallée des destructions. J'aimerais bien tenter la vallée des destructions. Grotte de la haine. Ah, évidemment, vous êtes tous des nazis. Die hard with a vengeance. C'est le troisième, celui-là, non? Pic de la folie, chemin de la vengeance. J'avoue, grotte de la haine. Eh ben, écoute, on va essayer grotte de la haine. Hop, faut aller au sud. On dirait le sud. Bip. Merde. Attends. Ouais, bah du coup, ils sont pas bougés, les cons. Attends. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Ah, c'est bon. J'ai fait bouger les guinches. Y'a pas la guinguette du bonheur. Bah non, y'a même pas le carnaval des gens heureux. Les gens qui se bécotent sur les bancs publics. Ah, mais y'en a plusieurs. Ah. Et pareil, du coup, sud. Oula. Il fait la gueule, le truc, hein. Ah. Ok. Je sais pas ce que je fais. Hein? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Attends, y a un écriteau, là. Fondé en 1884, ce parc animalier... Ah, la porte s'ouvrira lorsque les souhaits du Cerbère seront exaucés. Mais on sent pas les couilles, les souhaits du Cerbère. Une statue aux yeux rouges. L'inscription dit le cri de guerre de la vengeance. Ok, donc ça, c'est plus ou moins admis. Donc la rouge, ça va être sur la vengeance. Et là, ça va être quoi? Les derniers sursauts destructeurs. Ok. Donc vengeance, destructeur. Donc le rouge, c'est sur la vengeance. Et l'autre, c'est destructeur. Ok. La vengeance. C'était quoi déjà la vengeance? Vengeance, destructeur, on a dit. Mais non, mais c'est pas ça, ta gueule, toi. Quel con. Vengeance, destructeur, on a dit. C'est un film de Morcet. Donc, le bleu, c'est au nord et ouest pour le rouge. Ok, ouest pour le rouge, nord pour le bleu. Ouest pour le rouge, nord pour le bleu. Très bien. Ah, fuck. Je m'ai gouré. Donc, ouest, on a dit, pour le rouge et nord pour le bleu. Ah, ça, c'est bon. Et nord pour le bleu. Norte por el azul. C'est ça en plus. Oh la vache, et dis donc, je parle espagnol. Ah, il est fou le mec, j'en fais depuis la cinquième. Tac, et on a dit nord pour lui. Il est plus lent, je crois. Blip. Merde. Blip. Voilà. Ok, et bah voilà, c'est ouvert. Et c'est parti pour les bois de Erlstein. Let's go, chair de poule. Tout. Quand on fait un petit gouffre ou quoi? Franchement, je suis chaud. C'était dans la chanson, ça, hein? Y a pas une femme avec une arme qui traîne sur le sol, ce serait débile, hein? On est d'accord? On est d'accord que ce serait vraiment de la merde? Non, vos gueules, c'était dans la chanson. Une grande statue se dresse silencieuse dans la pénombre. Eh, ta gueule, oh là, on s'en fout. Eh, moi, j'ai lu tous les chars de poule quand j'étais gamin, ça et le Club des 5. Alors, va pas me chier, hein? C'est mon père qui me forçait à lire les Club des 5. Des livres roses en plus, ils étaient hideux, à chaque fois, il se passait rien. Genre, attention, il y a des crabes. il faut pas se paumer dans le labyrinthe, il y a un trésor, je sais pas quoi, là, j'ai rien compris. Ok, allez. On va buter un truc qui n'existe pas, c'est-à-dire une femme avec une arme qui traîne sur le sol. Ça va être complètement con. Aucun intérêt, quoi. Ah, des herbes vertes juste avant d'entrer dans une maison. Ça, c'est toujours très très bon signe. Ok, il y a aussi un chemin qui descend, et ben, je pense, clairement, dans les entrailles de la terre. Non, c'est de là où je viens, en fait. Ah non, mais j'ai l'impression qu'en fait, j'ai loupé plein d'items. Non, mais attends, je vais où, là? Par où je suis venu? Ok. Non, c'est par là. Ouais. Quoi? Attends, c'est où, ça? Qu'est-ce que je fais, là? Hein? Attends. Où est-ce que c'est? Ah, d'accord, j'arrive là. Et comment je repars? Attends.
Ah là, non, bah non, c'est ce que je viens d'arriver. C'est pas grave, ici. J'ai l'impression qu'il y a des items qui sont un peu planqués en fait, parce que du coup, c'est encore en rouge. Même avant ça, en fait, j'aurais dû faire attention. Je vais faire un peu plus attention, bouge pas. Russian est perdu, n'importe quoi. Ah, il va où? Déjà, tu parles pas de moi à la troisième personne, gros trou du cul, je suis là, tu me parles. On se casse. C'est en rouge, il y a des objets que j'ai pas eu sur la map d'avant. Du coup, je vais visiter un peu plus. Là, j'ai rushé, je vais visiter un peu. Mais tu vas où, trou du cul? Je vais là où j'ai pas pris les items, connard! Ah, des trucs qui volent. C'est quoi? Deux lignes verticales, une croix et trois lignes horizontales. Ouais, c'est un clavier, quoi. C'est vrai, c'est un symbole. Non, non. Bah, mon frère, il fait de la batterie, il a des symboles. Putain, des corbeaux. Lorsque le vent balayera la terre, les étoiles brilleront dans le firmament. Putain, c'est le symbole. Ah, ça pique de ouf! Ça pique de ouf! Ok, il va falloir le symbole du vent. Il faut que je ramène le symbole du vent. Ok. Aïe, 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 aïe. Ok, c'est bon. Ok, symbole du vent. Et ensuite, il y a égal, multiplié, divisé, je sais pas quoi, là. Très bien. Allez, on va visiter la maison. Scooby-Doo-Bidou. Where are you? Ok, visitons la maison flippante. Genre, on va quand même se concentrer à ramasser les herbes avant. Attends, on peut passer par là du coup. Et on sera direct devant, regarde. Tac, 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 tac. Et ouais, je me suis pas perdu. Je me retrouve tout de suite. J'espère que tous les cris qu'on entend, c'est genre des petits chiens. Genre des poméraniens, tu vois. Ça me plairait, moi. Hop. P-Cab. Inventaire. Ok, on va direct combiner ça. Je devrais peut-être pas tout de suite, mais c'est pas grave. Y'a quoi ici? Ah, un mur invisible. Merci, Satan. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison du diable? C'est littéralement la cabane au fond des bois. Hein. Je pense qu'on va tomber sur les trucs. Danger Lance. C'est les cris des SOS. Ouais, certainement. Tous les cris des SOS. Partent dans... Attends, on va rencontrer le Big Cheese. Partent dans les airs. C'est vraiment super mal rangé en plus. Sans qu'on laisse une trace. Ouais, j'en laisse plein des traces depuis tout à l'heure là. Oh, du feu. C'est réchauffant. Le bois de cheminée semble fraîchement coupé. Ah bah c'est cool, je suis sûr on va croiser un NPC. On va croiser le mec le plus gentil du monde. Ah, il y a un petit canard en plastique. Je suis sûr on va croiser genre le mec le plus sympa du monde. Il va nous filer un lance-roquette, un Sherman. Ce qu'il faut de bouffe pendant 6 ans. C'est quoi? Une carte court. La prendre? Absolument. Hein. Hein, le faux Jamaïcain. C'est-à-dire... C'est ça quoi? C'est ça le NPC qu'on va croiser, tu crois? Yo man! Jill, come here man! Sit down, have a piece of bomb back, lad! Ah, y'a pas un coffre ici, tiens! Attends, parce qu'il y a une machine à écrire, ça me plaît ça! Oh ouais, Tati Poulet! Oh mec, j'avais oublié Tati Poulet! Un lit rudimentaire, on dirait que personne n'y a dormi depuis très longtemps. C'est rien ça, c'est parce qu'il est tout le temps sur son bureau. D'ici, vous avez une bonne vue sur l'entrée de la cabane. Ah, j'espère que ce sera pas utile, par exemple, s'il faut tirer comme ça sur un truc qui va rentrer dedans. Ça, j'espère. J'espère que c'est pas ça. Si c'est ça, je vais mourir. Et par contre, ils sont chiants de jamais filer de ruban. Ah, merde, attends. Une photo de famille. Quelqu'un a laissé dans le journal. Papa attaché en premier, maman attaché second. Je trouve pas ce que je cherche. J'étais en train d'essayer de faire un... Ah, c'est ça! Moi, mon père. Oui, oui. C'est pas du tout ça. Père, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pas du tout ça que je cherche! Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais attends, elle n'existe pas ma chanson, je l'ai rêvé ou quoi? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On verra un autre jour pour le coup. Papa attaché en premier, maman attaché second, rouge et collant dedans, blanc et dur. Petit con. Pas vrai, maman, où c'est papa? Retrouver maman. Quand attaché maman, elle bouge plus, elle crie, pourquoi? Je veux juste être avec elle. Maman, où tu me manques? Je sais pas pourquoi je suis parti sur un accent un peu camerounais sur la fin, mais je sentais que c'était nécessaire. Une vieille machine à écrire. Je pourrais sauvegarder la progression, mais oui, mais t'as pas... Ils veulent pas te filer de ruban encreur, Jill, donc moi, je peux rien faire, hein, derrière. Voilà. Mais écoute, je ne suis esclave que de la volonté du jeu, hein. Ah, d'accord. Vraiment, faut vraiment que j'apprenne à fermer ma gueule, quoi.
j'arrive vraiment à un moment où il va falloir que je me dise, dis donc, Russiane, est-ce que ce serait pas un moment où il faut que tu fermes ta gueule, quoi? Il y avait un putain de com juste à côté. Oui, mais c'était pas à côté de la machine à écrire. Donc ça marche pas. C'est la faute au game design. Voilà. C'est de la faute à la manette. Et merci beaucoup, Xuxu, pour Marsouin. Ça me fait super plaisir. C'est super gentil. Ok. Alors, on va refoutre le rumeur encore et on continue. J'ai l'impression que ça va être la merde. Vraiment, ici, j'appréhende tout ce qui va se passer dans les... Allez, dans les 10 prochaines minutes. Je vise large. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait prendre, là, qui pourrait nous être rudimentaire? Tu sais quoi, je vais faire directement le mélange, là, tout de suite. Là. Maintenant qu'on est là, ça va permettre de gagner un petit peu de temps pour jouer aux Sims assez rapidement. Tac, combiné, tac, voilà. Par contre, le symbole du vent, je pourrais le prendre aussi. On verra plus tard, on verra plus tard. We'll see about that. Are you sure about that? J'espère qu'il n'y a pas un truc qui va me poursuivre dans les entrailles de l'enfer. Ah, une manivelle! Nice! J'espère que quand je vais le prendre, il n'y a pas un boss qui va apparaître des combles de la maison, par exemple. Hop! Allez, il n'y a personne. Allez, il n'y a personne. Non, il n'y a rien qui va me suivre. T'inquiète pas. Ah! Ah! Ok! Ok! Ouais! Est-ce que je viens de me faire enculer, hein? J'ai l'impression que je viens de me faire enculer, non? Il y a eu l'enculerie, là, non? Qu'est-ce qu'il y a, c'est que ces conneries? Gollum? Bah, t'as touché à ma manivelle! Bah! Stupide, empire, tu fous! Ça les abîme! Oh merde! Tique ta grosse race de sale pute! Vas-y, ramène-toi! Moi, je t'attends, mon gars! Je t'attends, j'ai plein de munitions, j'en ai plein, mais comme ça! Ah, ça pique ou pas? Je t'ai défoncé la gueule! Enfin, t'es pas mort? J'ai l'impression que t'es pas mort et que tu vas me suivre pendant un moment, non? J'ai l'impression que c'est un gimmick. Merci beaucoup, Xuxu, pour Arcana. Merci, man. 34 abonnements que t'as offert sur cette chaîne, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Merci beaucoup, man. Allez, on se casse. Parce que je sens que ça va être le fun. J'aurais dû prendre le symbole du vent. J'aurais dû prendre, tu vois. Là, par exemple, je me dis qu'un. Ah, bonsoir? Bah oui, mais. Ah mais t'as pas du tout le timing, poteau là. Je te sens pas, t'es pas dedans, Coco, là. T'as le look, Coco. Coco, t'as le look. T'as le look, Coco. T'as le look qui te colle à la peau. Faut que je passe devant les corbeaux, j'espère que je vais pas me faire manger. T'as le look, Coco. Faut pas qu'on se fasse démonétiser par juste parce que je chante des trucs. Bonsoir, les corbeaux. Je ne veux vous pas de mal. Vous êtes des gentils corvidés. Très intelligents, d'ailleurs, à ce que j'ai entendu. J'aime pas les bruits de loups comme ça, là. Parce que déjà que les chiens, c'est chiant, mais alors un loup. Parce que moi, il y a encore de ça quelques mois, je me dis, oui, bah écoute, un loup, c'est un gros chien, quoi. C'est tout, c'est plus ou moins un kleps. Tu prends un husky, tu le fous dans la neige, ça fait un loup, quoi, si tu veux. Et en fait, non, un loup, c'est comparativement à peu près 2,5 fois plus gros qu'un kleps, en fait. Et j'ai remarqué ça il y a vraiment pas longtemps. T'as fait la rencontre de Lisa, qui a l'une des histoires les plus badantes d'Orient Evil. J'ai aucune compassion pour cette grosse pute qui m'a mis un coup de comment on appelle ça en plus de joue sur la tête. Je l'emmerde, moi, je lui crache à la gueule. Je m'en fous si ses enfants ils sont fait mordre et en plus elle a été obligée de se prostituer à des zombies pendant des années. Aucune compassion, quoi. Pas de vacances pour les vrais gars, hein, c'est là-bas. Le joue comme le joujou, ta gueule. Ta gueule, lol, triche. Comme du joue de fruit. Comme un joue fleur. À chaque fois que tu chantes des trucs comme ça, j'ai envie de les foutre dans les playlists de l'IRL. Et écoute, ça, c'est les vieilles références. Aux... Si on vire nos références musicales, si tu veux, je pense qu'il y a 90% de LMF qui... du contenu LMF, tu vois, du LMF content, le LMFC, qui passe par la trappe, tu vois, qui passe à la trappe. Qui passe par la trappe? À la trappe? C'est comment l'expression, déjà? Je sais plus. Allez. Let's go! Come, junkie! Turn me on! Vous connaissez Genie Torturers? C'est ce que je viens de chanter. Alors Genie Torturers, c'est un groupe un peu d'industrial qui ressemble un peu à Rob Zombie. Et donc c'est une nana qui chante, qui est la frontwoman du coup. Et pendant les concerts, des fois elle fouette des mecs du public qui viennent genre se faire fouetter. Et des fois elle les fiste. Attends, le son est un peu fort mais j'aimerais bien que vous entendiez. Des fois elle fiste le cul des fans sur scène devant tout le monde. Alors amenez pas la petite cousine quand vous allez voir Genie Torturers parce que... Ah, c'est fini. Parce que sinon, ça va...
Voilà, c'est pas très drôle. Génie Torturers, et ils ont des chansons genre ouais, Fuck Me ou Come Junkie ou des trucs comme ça, et c'est assez festif, je trouve. Et les chansons sont pas mal. Comme Manson qui se branle. Mais c'est pas genre des c'est des comment c'est des légendes ça, Manson qui écrase des poussins ou je sais pas quoi. Il y avait toujours un mec dans la classe au collège qui avait des théories de ouf sur Manson. Et tu savais qu'une fois il avait mangé une tête de bébé en live, il avait écrasé des chiens. Mais ouais, Génie Torturers, non, c'est pour de vrai. Il y a des gens sur scène qui se font fister par la chanteuse. Et qui sont fouettés aussi, qui sont à poil, attachés à les trucs et tout. Putain, t'imagines. Hé hey, les gars, on va se faire un petit concert ce soir. On va se mettre tout devant, on va bien voir. Bon gars, tu te fais attaquer de toutes sortes de trucs qui jutent. Attends, non, me tapez pas les corbacs. Déconnez pas. Allez, allez, c'est bon. Peccable. C'est MTE. Ouais. Me mangez pas. Don't eat me. Don't hit me, please. La batterie a été retirée. Bah j'ai plein de piles au lithium si tu veux. Hein. Aïe 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 aïe. Ils vont me faire chier ces corbacs. Je peux rentrer là-dedans quand même ou pas? L'alimentation de l'ascenseur est coupée. Il y a forcément une source d'alimentation quelque part. Certainement. Ok, donc pour l'instant, ça c'est inatteignable. Du coup, il y a une sortie là-bas. Let's go, come junkie. Mais par contre, toutes les chansons de Génie Torturer, c'est comme ça. Il y a, elle est bonne, la chanteuse au moins. Bah, je peux essayer de vous la montrer, je crois. Mais le problème, c'est qu'elle est beaucoup maquillée. Elle fait très, en fait, comment ça s'appelle Elle fait très Vampire The Masquerade, en fait. Elle ressemble un peu à Sherry Moon Zombie, en fait. Dans le sens où elle est pas... Putain, non, mais il y a que des nichons partout. Attends, j'en trouve une qui est pas trop nichonesque. Ouais, mais là, elle a un chapeau de nazi. Là, elle a encore un chapeau. Tiens, elle a combien de chapeaux de nazis? Dis donc, elle a une plus grande connexion que la Dream. Ah, là, elle est en train de tirer les nichons d'un mec avec des crochets. Là, je crois qu'elle est en train de se faire enculer par une nana du public avec un strap-on. Et là, elle monte sa chatte. Alors, je vais pas vous montrer de photos tout de suite de Génie Torturers. Je vais plutôt vous demander d'aller les chercher vous-même. Attends. C'est quoi le nom des chansons? Let Your Beach, Touch Myself, ouais voilà, Sin City, Banging All Night, c'est des trucs sympas. Come Junkie, Come Junkie, elle est vraiment pas mal. Oh, la qualité est géniale. Ah, c'est mi-indus, mi-électro, quoi. Mais c'est vraiment cool. Bref, on y retourne. Ça s'écrit Génie Torturers. G-E-N-I-T-O-R-T-U-R-R-E-R-S. Génie Torturers. Et moi, j'aime bien. Ce que j'écoutais au collège, quoi, tu vois. Enfin, c'est genre, t'écoutes Dope, t'écoutes Génie Torturers, quoi. J'aime vraiment pas l'indus, j'ai trop du mal. Ah, j'aime beaucoup, moi. Comme j'ai écouté du Rob Zombie très très tôt, si tu veux, l'indus, surtout sur White Zombie, en fait. Ça me plaît énormément. Ok. Est-ce que je peux... On peut faire des triple herbes ou pas? Ah non, on peut pas faire des triple herbes avec ça. D'accord, triple herbe. N'importe... Ok. Genre, le mec qui te vend ta bœuf, quoi. Tu veux de la triple herbe? On a... Ah, il y a des petits serpents, c'est mignon. Oui, j'espère qu'il y aura pas des très gros, parce que... J'ai l'impression que ce couloir est assez large pour accueillir, par exemple, un gros serpent qui va pouvoir revenir prendre sa vengeance qu'il a pas prise tout à l'heure. Non? C'est pas une connerie, ce que je dis, là? J'ai l'impression que c'est assez intelligent, ce que je dis, moi. Par exemple, s'ils décidaient de foutre un serpent là, bah il y aurait la place. Eh oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait une mauvaise nouvelle dans le métier. Putain, il y a des herbes partout, j'ai plus de place pour foutre des herbes, moi, regarde. Je suis plein d'herbes. Comme IRL. Weed. Ça, c'est ouvert. Elle est pas belle, la meuf du groupe. Ah non, mais elle est pas faite pour être belle. C'est pas fait pour être belle, une dominatrix. Tu chopes pas une dominatrix pour qu'elle soit jolie, hein. C'est pour qu'elle... piétine les couilles. Ok, il y a un coffre là, ça c'est très bon. Il y a aussi une pile, des rubans encreurs. Ah, c'est la fête à la saucisse, poteau. Ça c'est cool. C'est horrible, le tire-nichon avec les crochets. Bon, franchement, on s'y fait super vite, l'autruche. Au bout d'un moment, t'oublies la douleur. Ça, ok. C'est marrant à quel point j'ai des trucs vides dans mon inventaire. Genre ma gourde vide, la carrière de Jessica Alba, ruban encreur.
Ok, on va save dès maintenant d'ailleurs. Et on va reposer Rumo encore après. Voilà. Let's go! Come, junkie. Je suis désolé de vous avoir montré Jenny Torturers. J'espère qu'il n'y a pas genre des mineurs ou comme ça qui sont allés voir Jenny Torturers parce que je vais encore avoir des soucis avec le CSA. C'est marrant comme allitération triste. Je vais avoir des soucis avec le CSA. Ça, on va le poser aussi, le mélange d'herbes. Weed. Ça, on va le foutre là avec le reste des rubans encreurs. La manivelle, je sais pas si on en a toujours besoin, mais dans le doute. On va le garder, merde, j'aurais dû poser ça aussi. C'est pas grave. C'était pas certains masseurs qui te décollent la peau du dos, un truc du style, genre pour te soulager. Après, c'est vrai que quand t'as plus de peau du dos, t'es soulagé, hein, mais bon. Je le conseille pas, quand même. Je sais plus trop, mais ça avait l'air dégueu. Ouais, j'imagine qu'avec assez de friction, tu peux genre séparer, là. Ouais, mais c'est dégueulasse, non? Alors, le mec, il demande quand même confirmation. C'est dégueulasse, non? Maintenant qu'on en parle... Eh, dis donc, ce serait pas, t'es quand même dégueulasse par exemple. Ok, la porte d'en face, est-ce qu'elle est fermée avec quelque artifice? J'adore parler français, mec. C'est vraiment une très belle langue. T'as vu? Ça rentre en une belle langue, t'as vu? C'est farant, quoi. Le chiffre 001 est inscrit sur la plaque de la porte, c'est le pire des James Bond, lui. Ah, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Gilles? Je t'ai jamais demandé de monter sur... Est-ce que je t'ai demandé de réparer ton café? Je t'ai demandé de réparer ton café! Là, ok, j'imagine qu'il y a... Ah! Oh là là, c'est Lilou, mon bébé... C'est vraiment dégueulasse que... D'accord, donc il faut que je passe là, une autre fois... Ah, merde! Quel con! Attends... Mais oui, mais du coup, c'est de la merde. Faut que je foute le cube dessus. Il m'a chopé deux fois. Le monstre, il a dû te dire, mais il est con... Elle est complètement conne, la pauvre. Allez, Jill, mets ça là-dessus, comme ça il sera bien niqué l'autre, il va faire touk touk. Eh hey, vas-y, je peux plus sortir de mes grosses tentacules. Oh, t'es sérieux, putain, il manque 5 cm. Voilà. Bon, en fait, c'est ça, il te tire la peau du dos pour décoller la chair ou je sais pas, et pareil que ça soulage au final, peut-être pas au début par contre. Ah, il faut pas avoir la peau sur les os. Bonjour, je m'appelle Russian, je suis chroniqueur chez Quotidien. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Est-ce que c'est pour, genre, sauter vers ma mort? Qu'est-ce que... Je vois pas, en fait, sur quoi je monte, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Pourquoi je pourrais monter là, en fait? C'est super. Je vois que t'as commencé le parcours, c'est super, Jill. Ça m'intéresse pas trop, mais... Alors, j'ai pas trouvé les photos des fils, mais j'ai trouvé des photos des mecs qui se font tirer par les crochets dégueulasses. Ah ouais. Mais c'est sur la page wiki, je crois, qu'ils expliquent qu'il y a fils des mecs en live, mais... Je suis assez deck, je m'attendais à bien pire pour Jenny Torturers. Je te rappelle que c'est des mecs, quand même, qui font des lives, des shows, ils peuvent pas forcément se permettre de foutre des rats dans le cul des mecs. Bon, après, ça se fait, mais... T'imagines quand même qu'il y a une nana quelque part qui a un groupe de musique d'Indus. Ils peuvent parler de Come Junkie et fister des mecs en live, mais moi sur Twitch, je peux pas foutre genre une nana avec des nichons, tu vois. Genre, c'est pas possible. C'est le futur, c'est quand même bien, quoi. Il y a rien d'intéressant ici. Moi, je trouve que si, mais écoute, c'est mon interprétation de la truc, Jill. Je suis en danger. J'espère qu'il y a rien qui va me tomber sur la gueule par la fenêtre. Il y a des journaux qui traînent, ils parlent tous du Stars. Ok, il y a des journaux qui traînent, ouais, ça c'est, je pense que j'ai compris. Non, j'ai compris, Jill. Il y a rien d'autre? Ok. C'est le seul concert où tu veux pas d'accès backstage. Qui veut aller voir ce Jenny Torturers en backstage? Non, ça va, non merci. Moi, faut que je recolle ma peau du dos, donc je vais avoir un peu de taf. C'est verrouillé. La plaque de la porte indique galerie. Ok. C'est quoi ça? Un plan? Non. En basket, ouais, ça, c'est super dur de parler. Ah, 002, on a eu 001 tout à l'heure, c'est très marrant. Une carte résidence, la porte. Ah, c'est peut-être là qu'on va trouver le Evo du titre. Vous avez pris la carte résidence, il y a un trou dans le mur. Ah, vous voyez une gigantesque ruche. De quoi? Oh non, pas des frélons. Oh, je déteste. Ah non, pas de temps, en plus ils sont super gros. Oh, ça pique de ouf. J'aime pas ça, les frelons. Putain, c'est de la merde, les bêtes. Ah, fouille. Ah, pique de ouf. Ok, ça s'est ouvert. Oh, cinématique, ça va chier.
Not the bees! But it's not necessary to destroy stars. What about my family? Family, family, family. If I play my cards right. Pouvez parler plus fort, s'il vous plaît, j'entends pas avec la musique. Ah putain, ils sont. Ils sont relâ! T'entends derrière la porte? Oh, ça pique! Ça pique de ouf! Bonsoir! Barry, I heard someone... Putain, Barry, tu nous as trahis, sale enculé! Tu trouves pas qu'il ressemble à Grégory de Palma Show? Je crois que c'est Grégory, non? Celui qui ressemble au shérif dans Stranger Things! Ok, bah je te pose plus de questions alors. Ouais, faire un tour dans cet univers-là, ça va être super. Fais attention aux frelons, hein. Je vais faire un tour dehors avec les serpents, les frelons et les zombies, ça va être cool. Super l'espace, bravo à la localisation. Ok. Bah c'était cool, j'ai appris énormément de choses. Alors qu'est-ce qu'il y a? Rapport sur la plante 42. Ah, c'est pas la plante 27 ou 37 dans RE2 d'ailleurs. 4 jours se sont écoulés depuis l'accident. La plante 42 a connu une croissance fulgurante. Bien que l'on sache peu de choses sur cette plante, on peut dire que le virus T a eu sur elle beaucoup plus un effet beaucoup plus important que sur les autres groupes de plantes. Le virus T a totalement transformé l'anatomie et la taille de son hôte. Compte tenu de son état actuel, il est difficile de savoir de quelle sorte de plante il s'agissait à l'origine. On ne trouve rien de semblable dans la nature. La plante 42 se nourrit de deux façons. La première source d'alimentation provient de ses racines qui vont jusqu'au sous-sol. Immédiatement après l'incident, l'un des scientifiques a perdu la tête et a détruit le bassin circulaire. Maintenant, le sous-sol est inondé. Il y a de grandes chances pour que l'eau ait contenu une substance chimique qui a provoqué la formidable croissance de la plante 42. Nous devons cependant déterminer de quel composant il s'agissait. Une sorte de bulbe, le corps de la plante 42 pend du plafond du rez-de-chaussée. Il ne fait aucun doute qu'elle a atteint le rez-de-chaussée par des conduits d'aération. De longues lianes ressemblant à... En fait, c'est Biollante. Je crois que c'est Biollante du film Godzilla contre Biollante. De longues lianes ressemblent à des tentacules partent du bulbe. Nous pensons que ces lianes constituent la seconde méthode d'alimentation de la plante. Lorsque la plante 42 détecte une proie, elle la capture à l'aide de ses tentacules. Ensuite, les ventouses de la liane sucent le sang de la proie. Salope. Nous nous sommes également aperçus qu'elle est douée d'une forme d'intelligence. Elle enchevêtre ses lianes autour de la porte pour empêcher toute intrusion lorsqu'elle capture une proie ou qu'elle est en période d'inactivité. Malheureusement, plusieurs scientifiques ont été tués par la plante 42. Les survivants racontent tous la même chose. Lorsque les pédales pétales. pas les pédales, je suis désolé. Déformation professionnelle. Lorsque les pétales uniformes qui la recouvrent s'ouvrent et révèlent les organes vitaux, la plante devient encore plus agressive. Un témoin a raconté qu'elle semblait essayer de se protéger. Nous ne savons toujours pas à quoi est dû ce comportement. Le 21 mai 1998, juste avant la Coupe du Monde, Henri Sarton. Sarton, en fait. Sartek. Salut, je m'appelle Henri Sartek. C'est moi le scientifique. Il y a quoi? Il y a un tableau qui saigne. C'est une porte. T'es vraiment un gros débile, Russian. Mais vraiment, t'es le champion du monde du trou de balle. Retourne-toi. Il y a encore... Putain, en plus, Barry, il a même pas buté les trucs qui volent. J'hallucine. Ok. Alors, je disais, c'est quoi qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que c'est que ces patacouacs? Cette chemise est trempée de sang. C'est bien. Là, il y a une porte qui s'ouvre. Contrairement à une porte qui s'ouvre pas. J'espère qu'il y aura pas de genre de frelon ou une ruche, par exemple, à l'intérieur. Ce serait con, non? Tu trouves pas que ce serait vraiment con? Ah, c'est quoi ce bruit? Y'a un truc qui chie là, non? Ah, y'a un truc qui brille là déjà. C'est une dague? Ah, une clé de la résidence. Ça, c'est bon ça. Y'a quoi dans les chiottes? La chasse d'eau fuit. C'est super. Raconte-moi plus. Waouh! Putain, tu ouvres des portes toi! Ah! Fuck! Lâchez-moi! Lâchez-moi, monsieur! Hop, on se retourne. Blème! Ah! Putain, il a ouvert la porte de ça, enculé, quoi. J'hallucine. Tiens ça dans ton cul, là. Oh, la vache. Ah, les zombies qui ouvrent les portes, par contre, ça faut arrêter, hein. Lâche ma veste. Hey, c'est ma veste. L'évier goûte, le joint est peut-être rompu. Ouais, merci, Valérie D'Amido, je t'emmerde. Donc ça, c'était tout, d'accord. C'était juste pour récupérer... Qu'est-ce que j'ai récupéré, d'ailleurs? J'ai déjà oublié. Le choc m'a fait oublier. La clé, ouais, d'accord. Ok. Pekeb,
Donc là, d'accord, c'est la porte résidence qu'on a vue. Non, c'était galerie tout à l'heure qu'on a vu la porte. Je sais pas parler. Vraiment, j'ai oublié comment m'adresser à un être humain, quoi. Il y a encore des items ici? Non, il y a plus d'items. Mais il y a une bibliothèque magique. Il y a littéralement Narnia, là. Est-ce que je peux la pousser, là? Allez, pousser deux d'un coup. Allez! Bah. Allez! On peut pas, genre, la tirer? Tu sais pas tirer la bibliothèque, espèce de grosse pute? T'es sérieux? Ah, si, d'accord. Ok. Mais tu sais, les lions sont vraiment les reines. Tout dit doux. Le soleil les assomme. C'est ça, Sartek. Ok. Ça fait très peur d'ailleurs la musique que j'entends là. Ça me plaît qu'à moitié. Il n'y a rien de spécial. Tu veux pas qu'on parle du putain de chapeau de cow-boy qu'il y a là? Bip 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 bip. Y a pas que le joint qui est rompu. Non, mon frein aussi. Je possède un cousin qui s'est rompu le frein. Dans l'anus d'un bambin. Je vais arrêter de chanter ça. Ah, ok, d'accord. Donc on passe directement sur du gros laboratoire de bâtards. Que des bâtards de barbares. Ah ouais, carrément. Est-ce que je peux foutre ce carton devant la porte? Est-ce que tu crois que ça va me porter d'énormes préjudices de faire ça? Parce que moi, j'ai l'impression que oui. Ah, ok, d'accord. Petit puzzlé. Vachement solide comme carton. Oui, oh, une boîte, c'est pareil. Enfin, boîte en bois, quoi. On va pas jouer sur les mots, Madness, hein. Ploup. Ok, on va pousser la deuxième. Pousse-nous l'air des nichons. Pousse-nous l'air du trou du cul. Ce chanson, je comprenais dans la mousse d'un bonbon. Non. C'est pas si simple que ça. J'avais pas trop aimé. En fait, j'avais bien aimé l'album Objectif Tune d'Ultra Vomit. Mais je l'aime quand même beaucoup moins que l'album d'avant. Monsieur Patate ou tout comme ça, tu vois. Je préférais quand il faisait du grind. Tu veux pas avancer, espèce de grosse pute? Il faut absolument que je pousse l'autre carton, là. Enfin, l'autre boîte. Les Madness. Culé. Bon. Et là, Alice. Je m'appelle Alice. D'ailleurs, essayez pas de dire... Essayez pas de me dire « Ouais, mais le premier Resident Evil, il est pas mal, il y a quand même l'atmosphère du premier. » C'est faux. C'est complètement faux. C'est un gros film de merde, fait par un Yes Man de merde, avec des effets de merde, des lumières de merde. Le seul point positif du film, c'est qu'il y a Michelle Rodriguez et qu'elle est mignonne. Ok? Monsieur Patate, il est plus gringue et ils ont des riffs de malade. J'ai l'impression qu'en fait, les riffs sont particulièrement apportés par leur bassiste, le rouquin, là. D'ailleurs, je crois que son nom au rouquin, enfin le nom pour déconner, tu vois, c'est Guy Tarbas. C'est marrant, non? Guy Tarbas. Oh là là, je vais croiser Jésus ou quoi, là? Le matin, quand je me lève... Surtout le break dans une souris verte. Bah oui, une souris verte, Captain Igloo et tout. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces patacouecs? C'est Dino Crisis 2 ou quoi, là? Je vais me faire engueuler par Adouille, moi aussi. Oh là là! Allô? C'est quoi? Wow! Un putain de requin, mais... Oh ah, ça pique de ouf! Ça pique de ouf! Il est où mon spray anti-requin de Batman, là? Oh putain, j'ai laissé du sang en plus, ils vont me faire chier. Ah, merci Suprême MTE de tête. C'est la merde. Merci Suprême MTE. Je t'aime. J'aime pas l'eau. Nardilo, mon gars. Waltek. Monte petite. Voilà. Tranquille. C'est verrouillé. Les mots sale pute sont inscrits sur la porte. Ah, sa mère. D'accord. Donc, pour l'instant, je peux rien y foutre, quoi. Eh ben, c'est génial. On va manger. Non, on va pas manger ça. On va manger ça, plutôt. Je peux y mettre des pains au truc ou quoi? Est-ce que je peux faire genre Saxton Hale et faire... Non, comment il s'appelle? Merde. Agar. Dans Final Fight. Et faire un putain de suplex. Ah, c'est là la porte, ok. Nice. Celui qui lit ça est un fils de pute. Ah non, est une pute. La BO du film R1 était pas mal aussi. Oh, mais attends, il y avait une porte là. Hop, on se casse. La 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 la. On se barre, la 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 la. C'est une chanson de... Non, casse-toi, Flipper. Non, c'est pas Flipper, le requin. Casse-toi. Ah, ça pique de ouf. Ah, mon tibia.
Je laisse mon molette bretonne. Cassez-vous, con de requin, con de mime! Barrez-vous, con de mime! Putain, faut que je refasse tout le tour en plus! Ouah! Laissez-moi survivre, s'il vous plaît, laissez-moi survivre jusqu'à la porte! C'est tout ce que je demande, c'est d'aller à la porte tranquille, d'accord? C'est possible? Ouh! Ok, il est bloqué, c'est pas! Avance! Ah, j'ai ouvert la map, je pensais que j'étais passé, mais j'ai ouvert la map. Ok, c'est bon. Ah! Ah! J'avais déjà peur avant de faire une crise cardiaque. Merci Madness pour le sub à Nacro. Merci gars. Ça fait super plaisir. C'est quoi? J'entends des bruits négatifs là. Ça souffle ça? Ah non, ça souffle pas ça. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Ah. Ok. D'accord. Je vois l'ambiance. Bah écoute, on va se barrer d'ici. Hein. C'est pas pour tout de suite le laboratoire magique. J'ai l'impression qu'en plus on a encore la manivelle et ils nous ont pas dit que la manivelle ne servait plus à rien, donc j'imagine qu'on a encore des choses à ouvrir. C'est pas un requin, c'est un putain de mégalodon. Ah non, c'est un gros requin, mais c'est pas un mégalodon, c'est quand même très très gros un mégalodon. J'ai regardé il y a pas longtemps un documentaire qui s'appelait The Meg, avec un scientifique aqua scientifique en fait, du nom de Jason Statham. Docteur Jason Statham, pardon. Et c'était super... ouais, j'ai appris beaucoup de choses sur les requins. Ok, donc ça c'est fermé. D'accord, les frelons vont me suivre jusqu'au bout du monde. Ok. Cassons-nous, voilà. Il y a une porte là au nord. J'espère que c'est celle-là. J'espère qu'elle peut s'ouvrir. Attends, elle est où? Ok. Quand on va passer par là, on va pas prendre le risque qu'il casse la boîte et qu'on se fasse bouffer le huc. Enlève ta chaussure pour le frelon. Mais je suis Jill, je suis pas une mère africaine. Ah, il y avait un autre trou. Casse-toi. Oh la vache, là par contre c'est la merde. Ok, c'est bon, c'est juste là. Putain, il y a un autre putain de trou. Il y a un autre putain de trou, la putain de toi. Ok. Je possède un cousin. On va pas save maintenant parce qu'en fait, pour l'instant, depuis tout à l'heure, on a fait aucune avancée. On a juste récupéré une clé, ce qui était pas forcément chiant à faire. Donc on va pas save tout de suite, ça sert à rien. Tu éclates les frelons avec un chiffon. Une fois, on avait eu une petite attaque de frelons chez moi quand j'étais dans la campagne, tu vois. Et mon père avait un genre de spray à frelons en fait, c'est un peu comme les moustiques ou les mouches, mais sauf que c'est un spray, c'est plus un extincteur en fait à frelons. Et... Ah! Waouh! Ah non! Ah non 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 non! Ah mais non, on avait dit qu'on faisait pas ça! Bah non! On avait dit non! Bah oui mais non! Ça on avait dit qu'on faisait pas ça par contre, donc on va arrêter tout de suite. Là on va arrêter, par exemple. Il y en a une autre. Il y a une autre putain de toi. C'est quoi? Une lampe à huile rouge. Je m'en bats les couilles. Putain, il va falloir un briquet. Briquetto, san. Jour de joie pour ceux qui en ont rien à foutre. Brendan Fraser est maintenant libre. C'est vrai qu'il a fini de payer tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il devait avec son ex-femme. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Je suis content pour lui. Je suis très content pour Brendan Fraser. J'espère qu'il va nous refaire des films de la momie avec Tom Cruise. Ce serait génial. C'est quoi? Une meuf à poil? Hey, une meuf à walp! Il manque plein de posters, par contre. Ok. Oui, il y a un poster d'une meuf à poil. Je viens juste de voir, il y a aussi beaucoup d'assiettes, là. La cloison est décorée d'assiettes. Oui, je viens de le dire. Une veste en cuir. Elle a été partiellement brûlée par de l'acide. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, les araignées crachent de l'acide, quoi. Là, c'est vraiment... Histoire... Ouh! Une publicité pour un tournoi de bras de fer. Le gagnant sera nommé chef de la police de Raccoon pour la journée. What? What? Et tu vas me dire que Détective Irons, il a gagné? Tu penses que Détective Irons, il a gagné le bras de fer? Mec, c'est n'importe quoi. Donc oui, on avait utilisé le frelon, le spray à frelon, là, mais ça a rien fait du tout. Le frelon, on a eu rien à battre, quoi. Il faisait juste dans le spray, si tu veux. Il nous a juste éclaboussé le spray. C'est tout ce qu'il a fait. Il s'est barré après. Mais mon père lui a mis un coup de... Tu sais, un maillet en caoutchouc.
À un moment, il bougeait plus, t'es dans la cuisine sur la poutre verticale. Il a pris le maillard en caoutchouc qui servait normalement à foutre des trucs en bois, tu sais, genre tu fais une construction, tu vois. Il a fait tac! Le truc, il a giclé, mais partout, on aurait dit une meatball, tu vois, qui pétait à cause de la pression. C'est super. Ok. Bandage with blood. Super, génial. C'est quoi? Un livre à la couverture rouge. Merci. Ouvre-le. Ah! Merci beaucoup, Xuxu, encore, pour le roi du Bayou. Un livre à la couverture rouge, les pages sont vierges. A-t-il un usage particulier? Ouais, certainement, ouais. C'est quoi? Il y a une patte, là, on voit une patte, non? C'est pas une patte, ça? Une petite patte, là? Bon, ça va nous servir quelque part, mais... je suis comment niveau vie, là? Je suis au max? Ouais, j'ai l'impression... Ouais, je suis au max. Bon, bah écoute, on va laisser le medkit, là. Une lampe à huile verte, elle est éteinte, ok. Et j'imagine qu'il va y avoir une violette, non? Ou une jaune, une connerie comme ça, non? Des bouteilles de vin vide sont éparpillées dans la pièce. N'empêche, ils ont un petit bar pépouze clandestin, là. C'est génial, j'imagine qu'ils ont pas leur licence. Bravo. Super, je vais vous foutre l'hygiène au cul, ça va moins se la jouer. Allô? Ah, j'ai l'impression que j'ai touché, non? Connard d'araignée de merde. Je fais chier dans Dark Messiah. Elle est morte? She dead? She dead? Je sais pas si je l'ai buté en vrai. Et une lampe à huile orange, ok. Y'a un énorme huc au milieu du truc. On va dire que ma mère m'a entendu hurler ma race dans la cabane et a ouvert pour pas que je me fasse piquer. Ah, dur. Ah oui, à 3 ans, j'étais enfermé avec un frelon dans une cabane. Oh, putain, en plus, genre quand t'as 3 ans, si tu te fais piquer par un frelon, il paraît que tu peux exploser. Et que ça fait une explosion d'environ 7 mégatonnes, c'est ce que j'ai entendu. On peut jouer la guitare un peu, là? Bamboleo! Non, on peut pas. Oh, des billes de billard. 2, 3, 4, 5, 5, 6. 7, 6. 2, 3, 4, 5, 6, ok. L'ordre semble n'avoir aucune importance, mais... J'entends des trucs de merde. J'entends des trucs de bâtard. Ok, il va falloir au moins que je prenne le briquet. Parce que je pense qu'il va falloir allumer des choses et bouger des machins. Ouah! Casse-toi! Couché! Voilà. Oh. Ok. Marchez pas dans l'acide, ça pique. Ok. Allez, on se casse. On va retourner juste vite fait choper du coup le briquet et on va voir ce qu'on peut faire. Imagine, t'as des gens dans le billard qui te regardent par les trous. Oh, l'horreur! Tu sais, tu regardes là où il y a l'espèce de plexi là qui montre les balles, enfin les boules qui sont dedans, tu vois, sur le côté, et tu vois des yeux. Ça fait peur, non? Allumez le feu! T'imagines, Johnny est mort, mec! Je crois que je le dis à chaque stream depuis qu'il est mort, mais Johnny est décédé! C'est pas genre dingue? Putain, oui! Mais ouais, c'est ouf! Johnny est mort, mec! On a perdu un bout de la France. En fait, c'est pour ça qu'on s'en rend pas compte, c'est qu'on a perdu un bout de l'histoire de la France, quoi. Vous avez utilisé la clé de la résidence. Vous n'avez plus besoin de cette clé. Parfait, ok. Ça, mais nous, ça. Ok, y a pas beaucoup de choses. Y a pas beaucoup de choses à voir. Je pense qu'il y aura un zombie ou deux. C'est toujours difficile, on sait. En vrai, ça me fait chier, mine de rien. Tout à l'heure, je me suis dit pareil avec Stan Lee. Ah, oh, c'est chaud, ça aussi. Ah, y a un zombie. There is a zombie, a monster. Die, fucking faggot. Ah non, c'est juste un mec qui pend, non? Ah ouais. Désolé, poteau. Oh, lui, il va se décrocher. Non, mais lui, il va se décrocher pour venir me péter la gueule, c'est obligé. Je vais rentrer dans la pièce, en fait, et il va venir me faire chier. Je suis sûr que ça va être un truc comme ça, c'est obligé. Ah, nice. C'est bon, ça. Johnny, c'est comme le Finistère. Par contre, finis ton truc, Romdou, parce que ça va me stresser de pas savoir la suite. Il est amer. Le Finistère amer. T'as compris? Ok, c'est quoi ça encore? Il y a plein de trucs à ramasser sur cette table là, qu'est-ce que c'est? Oh, un Derringer! Pistolet d'autodéfense! Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Lettre de suicide. Je n'avais pas le choix, nous avons essayé d'échapper à ces monstres en nous serrant les coudes pour survivre, mais Robert commençait à présenter des symptômes. J'avais pas le choix, les créatures sont l'œuvre du diable, il n'y avait pas d'autre ici, on aurait fait la même chose à ma place. J'ai mis fin à ses souffrances et j'ai dû l'abandonner dans la salle de bain.
Je suis sans doute le dernier maintenant. Comment une telle chose a pu-elle arriver? Je ne me pardonnais jamais d'avoir fait partie de ce projet. Mais je sais ce qui m'attend. Et il n'y a aucun moyen de s'échapper de cette maison de fous. C'est plus qu'une question de temps. Tout est prêt. Il ne me reste plus qu'à rassembler le courage nécessaire pour passer à l'acte. Le plus dur est de penser à tout ce que j'ai pas eu le temps d'accomplir. Mais je préfère encore mourir que de devenir l'une de ces créatures. J'espère que tu comprendras. Je veux mourir dignement. Il y a un message au dos. Linda, pardonne-moi. Oh mince! Robert, le roi du tango! Raoul, le roi du tango! Il y a surtout les livres de littérature et de philosophie. On peut pas utiliser le livre rouge, là? Non, c'est de la merde ce que je fais. Raoul! Alors, bon bah écoute, il n'y a plus rien, là, non? Non, ça c'est bon. C'est quoi le Deringer, là? C'est marrant, ce truc. 22 Magnum Double Dillinger. Ok, enfin c'est un Deringer normalement, mais... Un coup a déjà été tiré, d'accord? Ok. 22 Magnum? C'est quoi comme calibre ça, du 22 long rifle Magnum? C'est chelou, non? T'as tiré ton coup, pas encore? Elle a tiré la première. Elle m'a touché, c'est fou. On peut rien choper là? On peut même pas le choper lui là? On peut pas l'activer? J'aimerais bien activer mon zombie. Activer mes amendes. Les amendes activées. C'est du 22 long rifle mais boosté. La cartouche elle fait 12 cm, tu sais, mais c'est toujours du 22. C'est du 22 très long rifle. Est-ce qu'il est mort lui? Oh. Et voilà. Il s'est pété la gueule. Je suis sûr il a fait ah oh, je me suis niqué. Je me suis tordu la guibole. Oh, il faut une cartouche dans la gueule hein. On va pas s'emmerder. Son of a bitch. Merci beaucoup Xoxo pour Homme tout. Il va venir ou pas? Non? Il y a un autre ici, là? Un miroir parfaitement poli. Ah, il dit bonjour, il dit merci. Papier cul qui a perdu toute sa couleur. Ça se trouve, il était juste blanc, hein, poteau. Hein. Pas peine de baliser pour rien. C'est rempli d'eau sale. Vider la baignoire. Ah ouais? Merde, je l'ai pas fait tout à l'heure, ça, je crois. Je crois que j'ai dû louper un item, alors. Il y a quelque chose dans la baignoire. La baignoire! Oh, c'est quoi cette clé de bâtard? Ok. Il va rentrer l'autre con ou il m'emmerde? Hein. Qu'est-ce que je pourrais tège là? Que dalle, non? Là, je peux rien tège là. Je ne peux rien tège. Va falloir revenir plus tard pour la choper, hein. Faut juste pas que j'oublie, hein. Alors, il est où? C'est quoi, on va se barrer? Ça va bien l'emmerder, je suis sûr, il va faire. Oh merde! Oh mince! Ha ha! Ah, j'adore foutre des vents à des zombies. Je trouve ça génial. Si j'imagine tout le temps bader un peu, tu vois. Donc, j'ai mon briquet. Je peux donc me casser. Attends, il y a des items ici, dans cette salle? Étrange. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, il y en a quelques-uns, ouais. Ok, allez, on se casse. On va allumer les mèches des trucs, là. J'espère que les araignées auront pas, seront pas réapparutes. Ok. Y a pas d'araignées, on est d'accord? Elles sont toutes parties? C'est quoi ça? C'est un truc allumé encore? Non, non, ok. J'ai bu trop de Red Bull, j'ai envie de pisser les poteaux. Quelqu'un a soif par hasard? Attends, on dirait que l'ordre des boules n'a rien à voir, mais je suis quand même pas trop fort. Des billes, des billards. 2, 3, 4, 5, 6. Bleu, rouge, quelqu'un peut noter? Bleu, rouge, violet, orange, vert. Bleu, rouge, violet, orange, vert. On sait jamais. On va quand même le faire dans l'ordre. Bleu, rouge, violet, orange, vert. Merci, Madness. Bleu, rouge, elle est où la bleue? Elles sont toutes ici, les trucs, non? Vert. Bleu, rouge, violet, orange, vert, d'accord. Okay. Merci, funéraire aussi. Vous êtes tous d'une aide certaine. Oh, un pick-up! Non? Ok, très bien. Donc, il y a rouge. Il n'y a pas bleu. Ok, bah écoute. On va faire dans l'ordre de celles qu'on a. Hein. Rouge, on a. Inutile d'utiliser ceci maintenant. Bah, je t'emmerde, non? Elle est éteinte. Bah, c'est cool, mais allume-la. Ah, bah voilà. Putain. Je croyais que j'étais en train de me... Une étrange silhouette se dessine dans la lumière rouge.
œil, d'accord? Ah non, je crois que c'est après, en fait, qu'il va falloir les inputs quelque part. Ça va être ça, je pense. C'est quoi, ça? Nan. Nada. Ok. Il y a une assiette, là. On peut pas activer une assiette? Chérie, tu viens activer les assiettes, s'il te plaît? J'arrive, maman! Ok. Tac. Pour ma défense, j'ai 3 maladies dans mon corps et j'ai droit à un temps de latence. Mais du coup, c'est un peu comme Monsieur Burn, non? Genre, les maladies, elles se gênent l'une l'autre et elles peuvent pas t'atteindre, non? Ok. Un œil encore. Waouh! Attends, mon micro, il a failli se barrer, là, attends. Voilà. Ok. Ok, donc il y a eu des yeux, je comprends pas trop le délire. Une étrange silhouette, ça c'est bon, on a commencé à comprendre. Et il y en a pas d'autres, non? Et c'est quoi ça? Les queues de billard? Y'a rien à faire sur les queues de billard. J'ai l'impression qu'en fait ça sert à que dalle ce que j'ai fait, hein. Les piques de billard, ouais, ok. T'as quoi comme micro, Russiane? J'ai un Yeti Blue qui m'a été offert à mon anif il y a très longtemps. Il est très très bien, mais c'est un micro qui clip assez rapidement, donc il faut foutre un tas de compresseurs, etc. pour pas qu'il parte en couille. Si j'enlève les compresseurs, ça va faire comme c'était avant, et à chaque fois qu'on gueule, en fait, c'est insupportable. Et déjà 2 ans qu'on te l'a offert. C'est même plus, non? J'ai l'impression que ça fait plus que ça. Et je me demande si je vais pas prendre un Samsung G-Track dans pas longtemps et revendre celui-là. Mais pour l'instant, il me plaît énormément, ce micro-là. Le problème, c'est que si je prends un Samsung G-Track, je pourrais plus streamer avec d'autres gens parce que on les entendra pas. C'est ça qui est bien avec ce micro, c'est si je parle de ma cuisine, vous m'entendrez forcément, quoi. Alors, je sais pas quoi foutre ici, en fait. J'ai aucune idée de quoi foutre dans cette conne. Attends, qui boire des bières ici? What? Y a un truc que je vois pas. C'est quoi ça? J'aime pas du tout l'espèce de trou qu'on voit en haut, là, à côté du logo de la Megaforge. J'ai l'impression que c'est un truc pour faire passer du gaz. Non? Ça me plaît qu'à moitié. Comme Kenji G-Track. T'es vraiment un connard. Vraiment un connard. On peut pas passer genre derrière le bar ou non. Émet une lumière verte, d'accord. Quelqu'un sait ce qu'il faut faire ici ou non? Ou on est tous un peu paumés? Faut checker les bougies, ça servira après, c'est tout. D'accord, ok. Je t'avais pas lu, Spider, c'est bon. Ok, bah écoute, c'est bien. Des yeux, et bah écoute, on verra plus tard. On verra later. Je vais poser ce que j'ai sur moi parce qu'il faut que je récupère encore la clé que j'ai fait tomber dans la benne à voir. La benne à voir. C'est ici? Ouais, ok. Je suis sur la tentacule qui va me faire chier par contre. Je pense de toute façon arrêter dans pas longtemps les gars pour qu'on passe au deuxième jeu de la soirée. Je vais encore continuer en quelques minutes mais j'arrêterai après, deck. Je trouve qu'on a bien avancé, je me suis pas autant galéré que ce que je pensais que j'allais me galérer. Donc c'est tout bénef. Tout bénef, David. Je vais poser aussi le Derringer. Ils disent Dillinger ou Dillinger, mais c'est bien Derringer le nom, hein. Je suis pas fou. Hein. C'est qu'il ne devait pas avoir forcément les droits pour l'appeler Derringer. Check le nombre de sourcils, ça t'invitera à compter quel truc activer par la suite. On verra plus tard. Je crois que les posters de cul pour l'énigme. Par contre, je vais encore me faire choper par la truc là, non? Aïe. C'est bon. Ok. Tac. Hop, on passe. Pas tentacule. Note à ta coalesce. Non, je me suis gouré. C'est derrière. Je vais me faire choper par la tentacule en repassant. Aïe. Ah, putain, ça m'a fait sursauter. Ah, je croyais qu'elle allait pas arriver, putain. Je sais pas pourquoi je me suis dit, c'est bon, elle est pas là. Et en fait, si. Putain de sa mère. Ça se trouve, si on marche, elle nous repère pas. Une connerie comme ça, comme les liqueurs. Il est tombé l'autre, du coup, ou pas? Non, il est toujours pendu, non? Il s'est barré? Il est parti chercher son pote dans la salle de bain? Dillinger comme Johnny Depp dans Public Enemies. Salut, Poons!
Est-ce qu'il est là, notre enculé, dans sa salle de bain, là? Non, ok. Bah, on prend la clé, on se barre. Prendre clé salle de contrôle. Ouh là là là. À mon avis, c'est la clé avec les requins tout à l'heure, là. Vas-y, attends. Cette clé permet d'entrer dans la salle de contrôle. Tiens, dis donc. tu m'en diras tant. Ah, non, pas le temps. Je le dirai à mon chien, ça décorera sa niche. Ok, hop, allez, on se casse. On dirait qu'il y a une empreinte sur la porte. Voilà, c'était une observation. alors, désormais, quel est le chemin à prendre? Ça, c'est, il fallait une clé qui s'appelait galerie. Je pense qu'il va falloir aller dans la salle de contrôle maintenant, non? Ok, on va aller. Tu sais quoi? On va aller save dès maintenant. Et ensuite, on va rush pour la salle de contrôle. Dra, dra! On va voir ce qu'on va y faire, mais on va pas le faire tout de suite. D'accord? On va faire un genre de reconnaissance, je dirais, de la salle de contrôle. Dac? Ok, dac. Je pense que vous êtes tous d'accord. Ruban, encreur. Je sais pas à quoi il sert le bouquin aussi, là. On verra plus tard. Allez, save. Save-moi tout là-dedans, Jill. Jill, c'était là. Let's go! Come Junkie. J'espère qu'il y en a plein qui écouteront Come Junkie ce soir. Qui écouteront Jenny Torturers. Et on pourra mimer à fond sur Jenny Torturers. La clé dorée, je pense que tu peux la laisser. Oui, c'est vrai, parce qu'on est plus dans le manoir, donc on s'en bat les couilles. C'est, mais ça veut dire quand même que j'ai des trucs, que j'ai oublié d'ouvrir des trucs dans le manoir. Et ça me plaît qu'à moitié, je dois admettre. Hein. Du coup, ça me déçoit un peu de ta part, Spider, que tu m'aies pas ouvert tout dans le manoir. C'est pas grave, on en parlera plus tard. Faut qu'on parle, hein, Spider. Faut qu'on parle. Pas la tentacule, pas la tentacule. Ok. J'ai vraiment pas envie de revenir là à chaque fois, en fait. Ça me fait vraiment peur. Ok. Faire des mimes sur des fists et de la torture BDSM, c'est pas ouf, ouf. Franchement, il y a pire. Franchement, il y a pire. Désolé, mais Hakuna Bamboula, c'est autrement pire que juste dire des points dans les fesses, hein. Franchement. Ah, putain, j'avais oublié les trucs qui piquent. Ils sont barrés? C'est bon, ils sont barrés. Franchement. Quoi, franchement? Franchement? Non, 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 non. Du coup, ça se passe comment la partie? Bueno ou caca? Franchement, c'est double. c'est double jeu. C'est Johnny Hallyday, David Hallyday. Je fais de toi mon étincelle. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça dans la tête alors que c'est pas du tout David Hallyday, mais je l'ai eu dans la tête tout de suite. Tu me pénètres parmi les hommes, c'est sur Jenny Torturers. Je fais de toi mon essentiel. Russia nous a fait découvrir ce super groupe. Nous a fait découvrir, ça veut rien dire. Je suis complètement con. Alors, les petits requinous. Allez, allons voir les petits requinous. Je fais... Alors, attends, les requins. Chut. Casse-toi, connard. Il a un pote. Oh, ah, ça pique de ouf. Ah, regarde, il sourit en plus. Ah, il se marre, ces connards. Putain, c'est Street Shark. J'ai jamais regardé Street Shark. J'ai juste vu des vidéos sur Street Shark, mais j'ai jamais regardé. C'était ça la salle de contrôle. Ouais, c'était ça. À mon avis, c'est ça qu'on peut ouvrir. Yes. Ouais, jette-la. Putain de caisse de gang de requins. quand t'as dit gang de requins, je croyais que tu parlais du gang des ours. Et du coup, je me suis dit, tiens, il parle de ma musique. Mais en fait, c'est pas ma musique. Personne connaît ma musique. Ok, bonjour. Nous sommes dans la salle de contrôle qui descend apparemment dans les entrailles de la Terre. C'est pas grave, hein. Moi, j'aime bien les entrailles. C'est pas ma préférée, mais je préfère le blanc. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ces patacouacs? Qu'est-ce que c'est que ces patacouacs? Elle est caca ta musique. Mais non, c'est Mozart l'opéra rock. Non. Ah non, tu parlais du gang des ours, je crois que tu parlais « Je fais de toi mon essentiel ». J'aime pas ce plan, j'ai l'impression qu'il y a un requin qui va venir faire tonk. Ça me plaît vraiment mal, pas mal. Celle que je préfère plus que personne. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je suis où là? Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a un plan là. Une carte bassin circulaire. Waouh. Merci, hein. Merci Resident Evil, je pense que j'avais vraiment besoin de ce plan. Ça, putain, heureusement qu'ils sont là, quoi. Heureusement qu'ils sont là. J'ai bien aimé le mambo du décalco. Il est mambo, le décalco.
Mambo, mambo, la maladie. Jill fait péter un plomb à caméra. Il n'est pas à ce qu'on dit. Attention, en cas de la chute de la pression d'huile, ouvrez la valve 1. Ok. De docteur qui guérit la maladie, mambo. La magie des calcos. La manie des calcos. Il y a une fuite d'huile ou pas? Je sais pas s'il y a une fuite d'huile en fait. Le régulateur de pression d'huile. Inutile de régler la pression pour l'instant. D'accord. D'accord, Resident Evil, pardon. Tu te souviens de Junji Ito avec les requins qui avaient les jambes? Comment il s'appelait déjà? Gyu, non? Je sais plus comment il s'appelait ce manga là, mais il était horrible. Ça va me faire peur, ça va me faire peur, ça va me faire peur. La porte ne peut pas s'ouvrir car l'eau fait pression. Ok. Et d'accord. Et bah c'est cool. Et le kit de soin, elle kit de soin, tu te fais manger le cul. Je m'en fous, j'ai de l'huile sur moi, non? On verra plus tard. Ah ouais, c'est chaud, quand même. Ouais, ok, c'était un peu chaud niveau vie, bon. Ok. Celle que j'aimerais faire plus que personne. Je vous dédie à la sa symphonie. Et au bla... Sfem. Sérieux, il y a des herbes maintenant qui sont directement dans les packs. Ah merde, je te fais tomber. La weed. Ok. Guillaume, voilà, ça c'est bien ce que je dis, Guillaume. Non, c'est ni quoi, ni casse. Je peux activer un truc. Ah voilà, un volet de protection contre la pression. Et bah désactive. Un volet de protection, bah d'accord, mais désactive. Un volet, mais je sais, mais désactive. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Un message d'erreur est affiché, il y a eu un problème lors de l'évacuation de l'eau. Il y a un bouton pour évacuer l'eau. Appuyez, ouais vas-y fonce. Ah putain, je t'avais dit. Je t'avais dit que ça allait faire tonk. Unknown source of pressure detected. Unknown source of pressure. Ok. C'est la merde là, non? Est-ce que c'est pas... ouais, c'est un timer, j'aime pas les timers. Wahaha! Il y a trop de pression de l'huile. Inutile de régler. Si, c'est utile ça. Si, utile. C'est utile, résident de l'huile. Attends. Là, ça. Ah, merde! La sécurité, faut... Le volet. Mais le volet, je peux pas! Sors là ta clé, sors t'as la clé. Merde! Le volet anti-pression est verrouillé, débloqué à sécurité, mais oui! Le mécanisme de sécurité du volet de la pression... Ouais, ok. Bah c'est... Ah, putain de con, de requin de merde, casse-toi! Oui! Voilà, comme ça tu vas mourir comme un connard. Je t'encule, moi. Hein. Ah, perte de pression d'huile. Interruption de la procédure, oh merde! Voilà, faut retourner là. Il va me faire chier ce requin. Hop. Bip. Allez. Le premier, j'ai vu ça tout à l'heure. C'était peut-être pas ça. Je pense que j'ai fait une connerie. Non, c'est bon. Putain, c'est 70%, c'est la merde. Allez. Putain, ça a refoutu la sécurité. Attends, débloque, t'en supplie. Jésus-Christ, j'ai fait des bêtises. Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite comme sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, mais comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais soumets-leur, bande d'enculés. Ils n'arrêtent pas de nous clasher depuis tout à l'heure, là. Ok, c'est bon. Ok. Ha! J'ai fermé les volets, t'es bien niqué maintenant. Je te pisse à l'arrêt, sous merde. Bah voilà, c'est bon. Vous devez maintenir la faire fonctionner manuellement. Ok. Tonk. Sécurité a été bloquée, appuyez sur le bouton d'évacuation. Oui. Comme ça, ils vont tous se noyer comme des gros bâtards. On les aura bien niqués, là. L'eau a été complètement évacuée. L'eau a déjà été évacuée. Oui, c'est bon. Je suis au courant. On peut ouvrir ça maintenant? Ok, on peut pas l'ouvrir. Par contre, on peut peut-être sortir par cette porte-là, maintenant. Vu qu'il ne doit plus avoir d'eau. Mais il doit y avoir des choses assez dégueulasses à la place, non? Notre père qui est aux cieux tenait dans son bec un fromage. notre tentation qui lui tente d'approprier ce langage. Fais péter, Calandos. Fais péter le bris, poteau. C'est ouvert, ça? Ouais, c'est ouvert, mais j'ai envie de visiter un peu là avant. Ouais, bien, wesh, tu vas noyer les requins trop fort, Dexter. Ok. Ah, des grenades. Ça va être utile pour mon lance-grenade. Je me fatigue, en fait. Je me fatigue. Les boîtes dynamite sont trempées et inutilisables, ok. Tout à l'heure, j'ai vu un mec qui avait partagé une vidéo à nous sur Schwalbox, un truc comme ça.
Et il y a un mec qui avait répondu, et c'était la vidéo sur Gang Beasts. On était avec Whiskey et Warren. Et il y a un mec qui dit, ils arrêtent pas de gueuler, j'ai tenu 2 minutes. Il devait servir à recueillir l'information sur les requins. Ouais, c'est cool. De toute façon, les requins, ils sont morts et on les encule. Ah, regarde comment il est mort. C'est bon, il est en train de mourir. Il va pouvoir me choper. Hein? T'es en train de mourir, hein? On a de la vie, on peut essayer de passer quand même. C'est bon. Oh, le pauvre chouchou! Ah, maintenant, il me fait de la peine. Une bête si majestueuse, réduite au silence. Eh, mais attends, il reste lui, là! Attends, lui, il est pas mort, il est encore dans la flotte, je reconnais, hein! Pourquoi tu te retournes? Mais il est mort, lui, non? Enfin, il va pas nous casser les couilles, ici? Faut vraiment le buter! Oh, bon, bah, tant pis. Merde, je me suis tiré dans le pied! Il est mort? C'est bon. Et lui, il est mort là-bas? J'ai l'impression que lui, il est mort, mais ça me plaît qu'à moitié ce que je vois là. Hein? Il est mort ou pas? Je suis tellement pas en confiance, mec! Je suis en chantier. Je veux la voiture de ton père. Oh là 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 là, monte. Ok. Maintenant, vide, genre l'eau jusqu'au bout. Oh, oh non, t'as cassé les trucs! Je peux y mettre des coups de fusil dans la gueule? Non, c'est bon, il est mort. Le système de contrôle des eaux, il n'y a pas de courant. Ah. C'est quoi ça? Le générateur du système de contrôle. Abaisser le levier, ouais. Et là, il est vraiment dur ce truc. Ah. C'est normal que ça fait ça? Ah, je vais pouvoir l'activer sans problème. Vous risquez de vous faire électrocuter. Si seulement il y avait un moyen de se jeter dans l'eau. Quoi? De le jeter dans l'eau? Quoi? De le jeter dans l'eau? Bah, mets un coup de pied, non? Je sais pas. Essaye de me choper avec ta bouche! Non? Salut Nixio, ça va, poteau? Quoi de neuf? Quoi de feneux, poteau? T'es en manque grave cramé ou quoi? Ah ouais. Ah! Ouais. Ça pique de ouf. C'est quoi, il faut un bâton? Je peux le pousser avec le bouquin? Non, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire qui pourrait me permettre de pousser un truc? Tu crois que je peux le pousser avec un livre? Non. Hein? Tire dessus. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt tirer dessus. Est-ce que je viens de me faire bouffer la race?